De quoi là? Hermano, c'est ma superette. Ah ouais, je l'ai là, j'ai braqué Hermano. Ah oui, ben je te braque toi qui a braqué la superette. Ah t'es sérieux? Ouais, donne-moi la place de la superette. Javier, ouais. Sérieux? Comment tu peux savoir que je suis Javier? J'ai un masque. Si, attends, t'es bonne main, sérieux, il y a les filles qui arrivent. Donne-moi la plata. Oh, tu vas voir. Tu as combien pour choper Lionel? Putain, déjà on faisait présentation. Quel Lionel? Lionel des 18. Ah. Je suis pas sûr qu'on puisse l'attraper, Lionel des 18. Pourquoi on pourrait pas l'attraper, Lionel des 18? Peut-être pas ce qu'il faut dans le pantalon. Pourquoi on pourrait pas l'attraper? Vas-y, vas-y, pourquoi? C'est quoi son nom, Lionel des 18? Eh, moi j'attrape tout le monde, je m'en fous, oui, d'accord. Je peux l'attraper. Écoute, cher. Déverrouille! Déverrouille ou je tue! Attends, fais pas de geste plus qu'avec ton arme! Oh merde, j'ai plus de masque. Et prends mon t-shirt, fais-toi un masque avec. Avec ton t-shirt? Ouais, fais-toi un masque avec. D'accord. Tu peux faire vite, s'il te plaît. Fais au plus vite. Je fais plus vite. Ok, attends, ah non, va négocier, va faire genre négocier. Ouais. Attends, je vais te faire un truc. Ouais, poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que De quoi là? Et Hermano, c'est ma superette! Ah ouais, je l'ai là, j'ai braqué Hermano. Mais non! Si, si, bah si. Ah oui, bah je te braque toi qui a braqué la superette! Pourquoi? Ah, t'es sérieux? Ouais, donne-moi la place de la superette. Javier, t'es ouais. Sérieux? Comment tu peux savoir que je suis Javier? J'ai un masque. Si, bah attends, t'as un bon masque. T'es sérieux, il y a les filles qui arrivent. Donne-moi la plata! Oh, tu vas voir, je te jure, tu vas voir. Oh, tu me fais ça, bâtard? Tu es qui? Je sais même pas qui tu es. T'es Zepek, fils de pute. Ah, tu es Zepek. Mais oui. Attendez, parce que en gros, lui il a braqué et moi j'ai braqué lui. Du coup, vous voulez poursuivre qui? Là, c'est un crossover. C'est qui a la sultane classique? C'est lui. Hein? Ah, bah, on te chasse l'oracle. Vas-y, viens, Grimp. Hein? Grimp. Vas-y, attends. Tu veux conduire ou tu veux que je conduise? Non, on conduit. Je conduis? Vas-y. Vas-y. Putain. Et pas la sultane, hein, touche pas ça. Pourquoi il touche pas ça? T'as vu, ils veulent pas poursuivre la sultane car elle est trop forte. T'as vu, moi je suis un vrai. Moi je suis un vrai latino. Je viens avec des oracles. Bon. Alors, Zepek, ça paye plus les favelas là? Pourquoi tu fais des superettes? C'est un truc de petit ça? De petit de quoi toi? Mais c'est un truc de petit les superettes, pas pour des gens de ton gabarit. Il faut que je m'entraîne un peu. Tu t'entraînes à quoi? Ouais. Tu t'entraînes à quoi? M'entraîne un peu, tu connais. Ouais, une course poursuite par jour minimum, Herman. Minimum. Mais c'est vrai que tu es un peu éteint. T'as dit quoi, toi? Bah, tu veux conduire, du coup? Vas-y, mais montre-moi ce que tu vois. Mais en fait, si je veux. Là, si tu me dis ça, ouais. Le problème, c'est que je vais toujours les semer facile. Ah ouais? Bah, vas-y. Tu veux que je les sème facile? Oui, vas-y. D'accord. Je vais les semer facile, alors. Putain, j'ai un pétard. Ah ouais, ça c'est con ça par contre, hein. Oui, ça c'est con ça. Ah, ça c'est très con. Ça c'est très con. En gros, moi je connais une fente que les poyeux ils n'arrivent pas à faire. Ouais. Celle de l'autoroute, tu vois. Ah, celle que tu passes sur le côté là. Oui, à côté de là, à côté du arbre. Ah, celle-là aussi elle est bien cette fente. Ta gueule, j'ai dérapé. Regarde, je fais ma feinte, si jamais elle passe pas, je te laisse conduire, et pour voir ce que tu vaux toi. Mais pourquoi? Mais attends, pourquoi t'as chaud? T'as dit quoi? Non mais en fait, tu me fais de la peine parce que tu voulais t'entraîner, tu voulais t'entraîner. Non, Herman. Du coup, je me suis dit peut-être que toi tu voulais t'entraîner, ben je t'ai niqué ton truc. Non, Herman, ta gueule, connard. Vas-y, conduis. J'ai voulu la prendre vite. Je suis voir. Attends, on va voir si moi. Attends, comme ça, c'est bon reset. Attends. Mais c'est un camion, ce truc. Ah, je suis voir. Tu es trop nul. Moi, encore, je l'avais pris vite. On dirait quand c'est toi qui conduis la voiture, elle va plus vite.
C'est normal, Herman, mais dis à personne. J'ai un truc qui fait que ça va plus vite. Mais c'est ma voiture, comment tu as pu faire? Ici là, je viens de le mettre. Tu as un plan ou tu vas juste faire droite-gauche? Non, j'ai pas de plan, Herman. Là, ils vont y danser un peu, tiens, un peu, et après on voit, hein. Si je fais un barrel roll, si je tire le frein à main pendant la poursuite, tu vas être dégoûté ou pas? Vas-y, tire. T'es sûr? Tire. T'es sûr? Bah, tu veux tirer, tire. Vas-y, je tire. Bah, tu tires là? Ouais. J'ai bloqué le volant. T'es sûr? Arrêtez, tu veux que je continue à bloquer le volant ou pas? Comment t'as fait, bâtard? Bah, regarde, je tiens le volant. Là, je le tiens. Vas-y. Vas-y, je le tiens. Oh la dinguerie. C'est bon, je le lâche. C'est bon, lâche. Allez vous faire enculer les poyos. Je dénoncerai jamais ces pecs. Fils de... T'es sérieux? Tu notes le nom, gros pec. Pas que t'es un pétard, hein. Moi j'ai rien. Hein. Monsieur gros pec, arrêtez-vous. Monsieur gros pec, mais moi ils m'arrêteront jamais. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je cours trop vite. Et toi? Et toi, Hermano, hein? Et toi? Putain. Au pire, je descends, je les tue. T'es chaud? Mais bordel, ça me l'est, Hermano, ça me l'est, Zepek. En vrai, bah ouais. Tu es nul ou quoi? De quoi? Ben, tu es nul en course poursuite. Moi, à l'époque, tu me disais, oui, je t'éteins, je suis plus fort que toi. Tu te rappelles quand j'étais un Rokina? Tu te rappelles ou pas? Arrête d'être con. Le mode sport, là, mode sport? Oui, mais le mode sport. Bon, allez. Fais des trucs de TikToker. T'as dit quoi? Non, moi je suis pas comme ça. Moi. Ça c'est des trucs de merde. J'ai vu mon pétard défiler devant mes yeux. Tout le monde ici. Ouais. Oh là là, tu l'as mis une belle distance. Vas-y, tu es fort quand tu veux. Mais pourquoi? Oh. Ils font partie de la poursuite, ces connards. Merde, tu les as presque semés. Putain. Connard. Attention. Tu veux que je tire dans les pneus? Si tu tires, ils vont me tirer dessus après, hein. Je peux viser les pneus? Vas-y, tire dessus. T'es sûr? Ah, moi, je m'en fous, moi, c'est toi, vraiment. Ça m'a fait peur, lui. Ils auraient déjà semé ça. Ou alors j'aurais déjà tapé un mur. Tu tires ou tu tires pas? Et je vais pas tirer. Ah, pourquoi tu proposes alors? Si tu me passes des balles, je tire. T'as dit quoi? Ah bah ça tombe bien, j'ai pas de balles. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas de balles. On s'arrête pas, connard! De toute façon, t'as pas les couilles de tirer, Herman. Arrête de vouloir me chauffer, arrête. Moi, j'ai cru que Javier c'était un bonhomme. Ouais, qu'il avait des couilles. En fait c'est une merde. Arrête Zepek, tu vas regretter après. T'es une merde. Tu vas regretter tes paroles. T'as pas de couilles de tirer, Herman. Tu vas regretter tes dires. Oui, ça c'est la technique de... Vas-y, je vais dire ça comme ça. Là, c'est le moment où tu vas perdre ton pétard. C'est de ta faute, tu vas me le rembourser. Non. Toi qui as voulu faire une course poursuite avec le pétard. Oh la dégueu. J'arrive pas à toucher les pneus. On va avoir 3 unités en plus. Tu vas réussir à les semer? Franchement, là, on se perd. Putain, j'ai plus de balles. Il m'en reste 8. Je garde pour tuer quelqu'un.
Mais qu'est-ce que tu fais dans la voiture, toi? Allez, c'est pas que tu peux refaire. Bah, j'étais dans le coffre. Et qui ce connard? Attends, pour de vrai? Bah oui. Tu t'es réveillé ici, tu dormais sur la banquette arrière? Je vais péter un câble. Ah, sinon? 3 kilos? Oui, ça va, tranquille, normalement. Ouais, tranquillement, hein. Ça va, ça va. Mais pourquoi tu tires? Parce que ça y est, c'est trop tard. Et on est mort? Oui. Tu devrais mettre un masque. Ah ouais? Si, tu devrais, vraiment. C'est bon, je suis mascaré. J'ai envie de tirer le volant. Arrête, hein. Ah, mais on est... ah ouais? En vrai, ça se fait, hein. Putain, allez, fais des trucs là, Zepek. Mais quoi, fais quoi? Je sais pas, quoi couper, Armando, quoi couper. C'est vrai que la Zepek, tu aurais pu quand même le semer. Bah oui, non, je te jure que je donne le volant à Paolo. Paolo, il les aurait déjà semés là. Oui. C'est quoi, vas-y, donne-lui le volant. Arrête-toi, donne-lui le volant. Vas-y. Tu vas voir, vas-y, montre-le lui, Paolo. Montre-le lui un petit peu. Regarde. Il y a trois poyos derrière. Coupe volante, regarde, hein. Coupe volante. C'est quoi ce coupe volante? Mais non. Eh, vas-y. Non, pourquoi tu fais ce coupe volante? Oh, j'ai touché un pneu, je crois. Il me reste 3 balles. Un pneu. Oh. Il y en a une qui est tombée dans l'eau. Voilà, ça c'est mon Paolo, ça. Non, ça c'est ma phobie. C'est ta phobie. Hé, hey, il a été éclaté, hein. Oh là. Il allait nous tirer dessus. Ouais, énervé, hein. Bah, j'ai tiré. Oh là. Tu pouvais, hein. Oh, quoique. Ok, non. Oh, il est parti de l'autre côté. Fuis. Voilà, Paolo, tu vois Zepek, comment on fait, connard. Fait de quoi, TikTok de merde? Mais c'est pas TikTok ça, Hermano, il a juste fait de droite gauche. Oui. Tu veux reprendre les épées comme ça on disait toi? J'ai quoi? Tu veux reprendre? Oh, tu les as lâchés là. Tu vois Zepek? Toi tu es nul. Tu vois Zepek, toi tu es nul. Tu te gardes. Et voilà, bienvenue. Vous êtes arrivé à destination, Zepek, vous pouvez reprendre le volant. Super. On revient. Est-ce que tu as pris des notes, Zepek? Notes de quoi, Herman? Bah, des notes pour comment il faut semer les poyos. Oui, il est trop fort, ouais, il est trop fort. Eh oui, il est trop fort et toi, tu es trop nul. Bah. Connard. Eh, c'est ma voiture. Attends, mais... C'est vraiment ta voiture? Bah oui. Ah. Pourquoi on est descendu, alors? Bah, je sais pas, Hermano. Ça va, Paolo? Ça va et toi, Javier? Oui, ça va, super. On a la mission de ce soir, hein? Oui, on a la mission de ce soir, ça c'est bien vrai. Mais on va niquer qui? Caillou ou les Harlem? Non, on va pas niquer Caillou. On va niquer les Harlem. On va pas niquer les Harlem non plus. On va niquer personne. Ils savent pas qu'on travaille avec Caillou. Toi, tu as rien compris, hein? Non, alors là, vraiment. En gros, Caillou, il livre du stuff au Harlem. Mais nous, quoi qu'il arrive, si on vole le stuff des Harlem, on nique pas Caillou. Et si jamais on aide les Harlem à faire, on nique pas les Harlem non plus. Tu comprends? Ah, mais en gros, on aura la récompense des Harlem et de Caillou. Pourquoi j'ai encore un bracelet, mais j'ai plus de bracelet? Comment je l'enlève? Ah, je sais pas. Je crois que c'est que les Poyos qui peuvent. D'accord. T'as compris? Mais du coup, on aura la récompense des Harlem, parce qu'ils savent pas qu'on travaille avec Caillou, et Caillou. Mais ils nous ont demandé quoi, Caillou? Ils nous ont demandé de ramener aussi un lingot pour avoir encore des armes. Ah, un alliage, oui. Ouais. Et c'était la mission des Harlem aussi. Ok. C'est-à-dire double mission, double récompense. Oui, on va garder juste un alliage. Mais déjà, faudrait qu'on arrive à réussir la mission, quoi. En plus, Douchen, il me répond pas. Bon, en vrai, je pense qu'on va réussir. Après. Je pense qu'on devrait le faire. Yeah.
Il avait dit 22h ou c'était plus tard? Normalement 22h, hein, on est dans les bons timings. Je trouve pas, ça fait du bien de marcher, tout le temps on court. T'as remarqué? Non, je te jure. Tout le temps on court. D'accord, tu marches lentement, j'ai l'impression. T'as dit quoi? Tu marches lentement, j'ai l'impression. Et moi je marche normal. Toi tu marches en tortillant du cul. Parce que je suis un mec énervé. C'est vrai que moi j'ai pas de démarche. Ah oui, trouve-toi un truc. Ah. Fou la haine celle-là. C'est grave lent. En vrai, vu que t'es un shooter, tu dois mettre, tu dois marcher comme un hipster. Les shooters, ils marchent comme les hipsters? Ah bah oui. Pourquoi? Parce que ça te permet de courir plus vite. Pour de vrai? Oui, regarde, tu vas comprendre. T'as les bras bien serrés autour du corps quand tu cours. Regarde, cours. Ah oui. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est une dinguerie. Là t'es un vrai shooter du coup. Là je suis un vrai shooter là. Non mais je cours déjà, je cours déjà assez vite. Ah c'est vrai que si tu mets les deux ils sont dans la merde les gens. Oh. Je marchais comme ça. Oh! En vrai, ça va de bien avec Javier. Tain, il m'a vraiment appris un truc là pour la démarche hipster. C'est une dinguerie. Rendez-vous comme ça, tu fous la haine, tu marches lentement. Les mecs ils t'attendent. Ça, je me rappelle à l'époque en 2012, tout le monde marchait comme ça. Genre les RFA de quartier. T'as l'appel? Ah oui, mais ça arrivait en ligne, c'est le premier qui était pas en ligne, il se faisait niquer sa mère. Trevor, j'aime bien moi. Ah ouais? T'aimes pas toi? Ouais, là. Moi j'aime bien Trevor. Putain, mais on a mis des trucs dans ce coffre d'ailleurs, si? Une démarche de fou un peu. Y'a un coffre là? Bah ouais, y'a rien dedans. C'est vrai, y avait ça. Ah oui, attends, mais où on est là? Je crois que là, je deviens fou. Attends. Ah oui! En gros, le ah oui, la sortie, oui, ok, d'accord. Ok, bon, bah Douché n'y répond pas pour l'instant. Ah. Ouais, ça vaut quoi? Ouais. Ça va, hermano? Ça va, tranquille, hein. Je suis en train de chercher une voiture 4 places, mais il n'y en a pas. Et j'en ai des voitures dans mon garage. Ah ouais? Oui. Ah ben non, j'en ai pas. Mais attendez. Les habits, écrit vêtements. Attends. Mais on avait une sultane, elle est où la sultane? Car, c'est la sultane bleue. Mais voilà. Ta voiture, ouais, voilà. Et en plus, normalement. Places, oui, normalement, elle est 4 places. Vas-y, regarde, essaye de monter. Il va à l'arrière. T'as vu? Bonjour. Incroyable. En gros, tu peux monter et aller à l'arrière. Ouais. Tu passes le siège. Ok, dur. Je voulais aller acheter des pochons et de la nourriture. En vrai, tu es, y a rien qui est ouvert. Tu es bien assis derrière là. Trop bien. Ah, c'est faisable, bah oui. Attends, fais voir. T'as juste aller derrière. Ah ouais. Tu es pas derrière là. Ah non, ah, mais si. Attends. T'as vu? Putain. Ah oui, c'est comme ça les voitures de potes. Tu passes par devant, ouais. Tu rentres. C'est incroyable. Ok, je vais aller à la custom. J'ai 6000$. 6000$, ça suffit pour custom une voiture ou. Attends. En fait, ça dépend de la voiture. Ça dépend de la voiture. Je vais récupérer des balles. Je pense largement. J'ai 900 balles, mon sang. Il faut que je récupère des munitions pour d'ailleurs, que j'ai tiré sur les poyos. On m'a parlé dans mon sommeil. T'as dit quoi dans ton sommeil? Hein? Il faut qu'on trouve un nom stylé. Ah,
Ah, t'as vu, on me parle encore. Il faut qu'on trouve un... Quoi? Qu'est-ce qui... Ça va? Ça va, hermano? Tu vas bien? Ça va. Pourquoi tu cries? T'as un câble là. Tu as Gilles de la Tourette? Oui. Attends, je vais chercher les balles. Il faut qu'on trouve. Ah! Oh, regarde, t'as vu comment ça sort. Ah oui, j'ai pas vu comment il sortait. Ah! 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 Je déteste ce mapping. 3 21. Putain, j'ai mis autant de temps. Hein. Bah. Javier, comment t'expliques qu'on casse la vitre en descendant? Vas-y, fais voir, je descends. Allô, allô. Oui, allô. Ah c'est Javier. Oui, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, je ça. Je sais que tu as pas mon numéro, donc je sais. Oui, je ne sais pas qui tu es. Je me doute. J'ai entendu dire que tu pouvais péter des gens contre de l'argent. Ça t'intéresse? Oui, ça peut m'intéresser, oui. C'est combien de tes prix? Ça dépend. C'est qui la personne que je dois attraper? On peut se donner un rendez-vous. Tu es un biker? Non, je suis pas un biker. Bon, alors oui. Vas-y, je t'envoie une adresse. Super, merci. Vas-y. Oh, Paolo, par contre, t'as raté beaucoup de choses hier. 400 d'IQ, il me propose un rendez-vous pour que je pète des gens, et quand je viens au rendez-vous, il me pète lui-même. Ouais. Non, ils sont forts, les gens. Disais, dans mon sommeil, on m'a parlé. On m'a dit, faut qu'on trouve un nom stylé autre que Vagos. Oh, je suis juste à côté. Oui, il faut un Vagos, mais genre 2023. Genre Vagos Gang Eclipse. Ouais. Vagos 11-1-2. Ouais. On peut être les 68 Vagos. Street. 68 Vagos Street, ouais, un truc comme ça. Voilà. Mais attends, elle est là la pause, mais je vois personne. Ah, c'est pas en dessous? En dessous? Ah, si. Attends. Ah, regarde, tu vas tout droit. Si, là, il y a un souterrain en dessous. Ouais, là, droite. Ah, oui. C'est bizarre, hein. C'est qui? Oh là là. Hmm. Je viens de tirer sur des flics pour une super étant, vrai, on est plus à ça près. Hmm. C'est bizarre cette histoire. Hmm. S'il n'y a pas des mecs qui viennent nous péter ici. Je te jure que non. Je suis tout seul. D'accord. Mais pourquoi il est masqué là déjà? On est mort. Que puis-je faire pour toi, monsieur? Bonjour. Bon, bonjour. Vous allez bien, les gars? Oui, ça va, et toi, seigneur? Ça va. Ça va, ça va. Bon, vous avez moyen de vous faire un petit billet, là. Tu prendrais combien pour choper Lionel? Attends, mais déjà, on fait des présentations. Quel Lionel? Lionel des 18. Ah. Je suis pas sûr qu'on puisse l'attraper, Lionel des 18. Pourquoi on pourrait pas l'attraper, Lionel des 18? Et peut-être pas ce qu'il faut dans le pantalon. Pourquoi on pourrait pas l'attraper? Vas-y, pourquoi? C'est quoi son nom, Lionel du 18, par favor? C'est Lionel. Eh, moi j'attrape tout le monde, je m'en fous. Oui, d'accord, je peux l'attraper. Mais il coûte cher. Dis-moi son prix. 30 000. C'est bon pour moi. D'accord, mais j'ai affaire à qui? Son micro, il... T'as affaire à Abraham Flores. C'est qui Abraham Flores? C'est un gitan qui... Ça fait passer pour mort depuis 2-3 jours. Je peux voir ton tête? Ouais, pas de soucis. Pourquoi tu te fais passer pour mort, hermano? Parce que soi-disant que les 18 m'auraient tué. Enfin, c'est ce qu'ils disent à tout le monde. Sauf qu'ils m'ont laissé partir. Et ils me font confiance. Et pourquoi tu veux voir ce Lionel? Parce que c'est un enculé, il a tué tous mes... Enfin, pas tous mes cousins, mais il a tué quelques-uns de mes cousins. Il est en train d'enculer tous mes cousins sur la Met. Ça fait mal. Et du coup, tu veux te venger? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux absolument Lionel, ou si je te trouve d'autres 18, ça te va aussi? Franchement, Lionel, ça m'arrangerait beaucoup, beaucoup. D'accord. Ça marche. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord?
Ça marche. Les gitans, ils... envie, hein. Oui, les gitans, ils savent pas que vous êtes, que tu es en vie. Les gitans, ils pensent que je suis mort. Pourquoi tu veux pas leur dire? Bah, parce que à cause de moi, les 18, ils ont eu des bonnes infos. En gros, ils m'ont forcé à dire des choses. Sinon, ils me tuaient. Et du coup, ils te considèrent comme une poucave? Je pense pas, parce que du coup, comme pour eux, je suis mort, pour eux, j'ai pas dit grand chose. Sinon, je serais encore en vie. Ah oui, je vois. Et les 18, ils me font confiance parce qu'ils pensent que je vais leur fabriquer de la meth. Super. D'accord. Et comment tu as eu mon numéro? Parce que tu l'as donné aux gitans. Ah, tu étais là? Ah, c'était avant que tu meurs. Ouais, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Ça marche. Je vais voir ce que je peux faire. M'appelle pas Abraham au téléphone ou quoi si t'as quelqu'un d'autre à côté. Tu veux que je t'appelle comment? Je sais pas, tu m'appelles comme tu veux, mais pas Abraham. Je t'appelle Ibrahim. Appelle-moi Ibrahim. Ibrahim, c'est super. Et c'est Lionel qui t'a tué il y a 3 jours? Ouais, c'est Lionel qui m'a tué il y a 3 jours. Enfin, il y a 2 jours. Ok, c'est bien compris. Ça marche. Merci. T'as un numéro? T'as son numéro ou quoi? On va se débrouiller. Non, on va pas l'appeler directement, on va se débrouiller, t'inquiète. Non, mais tu auras un contact. J'ai pas le contact de Lionel, j'ai le contact de autre chose chez eux. Si ça peut. Je crois que Rafi, il parle avec Laïti, de toute façon. Ouais, mais Rafi, il est pas là. Il est pas là ce soir? Bah non, il est pas là. Ah ok, bah donne-moi... Au niveau de la Mesa? Ouais. Ah, mais il y a un autre gang qui habite là, à la Mesa, non? C'est pas les savés, je veux entendre. Si, c'est les savés. Oh putain, nos ennemis. Bon, on va se débrouiller, ouais. Ça marche. On te la ramène. On verra. 30 000. 30 000, ouais. 30 000. Ok, ça marche. Et après, tu vas dire que tu es en vie une fois que tu l'auras tué. Ouais. D'accord. Je vais sortir de mon terrier. J'aimerais, en plus des 30 000, avoir une place privilégiée dans les affaires des gitans. Ça marche, prends ça en note. Merci. Et on fera en sorte de pouvoir clearer de la meth régulièrement. Ça marche. Merci. Merci, Brahim. Merci à toi, Ravier. Au revoir. Au revoir. Très sombre et ténébreux, tout ça. Oui. Réel. Putain, il est mort. Ouais. Pourquoi on pourrait pas la rattraper, Lionel? C'est vraiment une grosse tête de 18, hein. Et c'est une orga... En fait, c'est comme si on s'attaquait à un Harlem. C'est un homme. C'est un homme. S'il peut saigner... Tu sais ce qu'il a dit Arnold Schwarzenegger. Il a dit quoi? Non, je crois que c'est Stallone. Putain, c'est Stallone. C'est Arnold. Il a dit c'est pas ma guerre. Il a dit si cette bête peut saigner, alors elle peut mourir. Aïe! Ah! Oh, c'est dommage, on peut pas passer en dessous le camion. Oui. Il y a des voitures avec lesquelles tu passes en dessous du camion ou pas? Faut que t'ailles au Bénis à droite. Oui. C'est Arnold ou c'est Stallone dans Predator? Il dit c'est Arnold. Arnold. C'est Arnold. Mais non, c'est peut-être Stallone. Putain, à chaque fois, des fois, mais je non, me non, Stallone, il a pas joué dans Predator. C'est Predator. Oui. Oh, il y a Joe, le gitan qui m'appelle. Aïe. Allo, Joe, gitan. Ouais, ma couille gauche. Ça va ou quoi? Comment il va? Gitan. Ça va au top. Appelle-moi Joe, je suis pas un simple gitan, ma couille, tu me déçois là. Pardon, mais c'est pas une exception d'être un simple gitan. Joe, Joe. Bah non, mais bon, j'ai un prénom quand même. Oui, c'est vrai. Comment tu vas, Joe? Bon. Bah, ça va et toi? Ça va super, hein, je me balade. C'est génial ça, tu te balades vers où? Attends, pardon, tu m'as dit quoi? Je me balade vers vers en ville là, et toi? Siri. Bah là, je me balade vers mon camp là, je fais le tour de ma caravane 4-5 fois. Tu as besoin de moi? Je suppose que tu m'appelles pas pour avoir de mes nouvelles. Bah, j'ai vu que t'as essayé de m'appeler, tu vois, j'étais encore en cuite hier, donc j'ai vu que t'as essayé de m'appeler, donc Ah oui, j'ai essayé de t'appeler hier pour les lingots. Ah oui, ouais, ok. T'as vu, tu te rappelles, je t'ai dit, ne m'oublie pas. Tu te rappelles, je t'ai dit ne m'oublie pas et tu m'as carrément oublié. Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit, je t'ai dit ne m'oublie pas, tu m'as dit non t'inquiète et après tu m'as oublié. Ah merde. Bah ouais. Et toi tu m'as oublié pour mes pochons. Pour tes pochons? Ouais, l'argent de mes pochons. Parce que ça t'as cru que j'étais un gros trimard et que j'allais oublier. Non, je t'ai pas oublié, Hermano, je t'ai pas oublié, je vais te les donner ce soir, d'accord? Ah bon, en même temps que je te vois. Je croyais que t'étais en train de me chier sur le torse, non, et que t'allais pas me dire que t'allais pas me les rembourser. Là, ce soir, quand je te vois pour les lingots, je te passe l'argent. D'accord. C'est combien que tu devais déjà? On fait ça ce soir. Je sais plus, c'est 25 pochons à 230. Ok, je suis pas très mathématique, moi. Je te biffe, frère, je deviens fou, quoi. Ok, Joe, ça marche. Ça fait 5000. Bon, allez, ça marche, on se rappelle tout à l'heure. Je te rappelle. Vas-y.
Venez, on le tue comme ça, on le fait. Attends, mais il y a un bruit bizarre à côté de moi depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est un de vous qui me troll ou pas. Non, et maintenant tout le monde est là. Ça fait genre. Ah. Attends, je vais voir. Et dès que j'enlève le casque, ça. Hermano, c'est dans mon ordi. Quoi? Je te jure, c'est mon ordi qui fait ce bruit. Attends. Wesh. Comment ça, t'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mon ordi, il fait... Wesh. T'entends? Voilà. Moustouf. Oh là là, y'a pas Moustouf. Qu'est-ce qu'elle arrive, la lumière? Déjà, vous avez éteint ça? Non mais c'est pas ça, tu vas voir, il va le faire. C'est quoi le bruit? Quoi? Arrête-moi de tirer. Ouais, non, il fait ça, il fait. Quoi? Là. Wesh! Starfallah! C'est peut-être la carte graphique ou les ventilos. Eh oui, cousin, Cassandre, il est debout. Oh, je suis grosse, mesquine. Ah ouais. Non! Ah, on arrête de ce bâton là, les gars. Même lui, il annonce la fin. C'était cool. Il reste 27 minutes. Bah voilà. Les couilles, il y a 50 000 subs. Et voilà, j'ai Christian Vu qui criait, qui me trollait, qui s'était caché derrière. C'est pour ça que t'es allé. Ah ouais? En plus son CPU il est à 50. Oh mais 50 ça va? Oh ça va, c'est rien ça. Non c'est rien. Ouais non. Il a jamais fait des bruits comme c'est ça. C'est les deux hein. C'est les deux ici hein. Attends. Y'a pas un truc qui est bloqué dedans? Mets un petit coup. Ouais c'est là. Ouais, ouais le ventilo commence à avoir mal. Ah mais peut-être qu'il y a... Ça fait 500 heures aussi. Il y a un truc bloqué ouais. Oh ça fait 500 heures il tourne le bordel. Mais wesh! Ah, c'est clairement le watercooling. Couper ton doigt bizarre. Watercooling, tu penses ça? Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est là, c'est le watercooling qui est lâché. Moustouf! Comme par hasard! Voilà. Écoutez le bruit, écoutez le bruit! Non, c'est juste là, là. J'entends, ça vibre. Non, mais t'as pas besoin d'embaucher le micro, je l'ai entendu, RP. Mais je l'ai entendu? Je sais pas ce que c'était. C'est bizarre ça. Attends. En plus, ça s'arrête plus maintenant, ça fait que. Ah, ça si fait... C'est watercooling fort! C'est quoi ça? Qui est en haut, on est d'accord. Faut mettre du jus. Eh bah. De quoi y'a besoin de. Non mais ça c'est rien, je pense. Faut juste l'ouvrir et nettoyer. Et la soif il fait ramasser. Ah, c'est il date de quand le PC? Je sais pas frère, il est pas vieux hein. Ouais, il s'est pas fait pour laisser 500 heures comme ça aussi. Mais c'est vrai, après ça fait 20 jours qu'il a allumé, cousin. Ça fait 20 jours, il s'arrête pas le coup. Même le water queen, il est pas censé faire ça. Justement. Parce qu'en fait, il crie à l'aide. À l'aide. À l'aide. Il en peut plus. Ouais. Parce que tu vois qu'il marche bien quand même, parce que ça reste à 50. Bah ouais. Donc c'est non, juste, mais... je crois que c'est un petit truc. Ça s'est arrêté, regarde, ça s'est arrêté. Mais je pense qu'il y a un truc qui est bleu. Non, il me l'a dit, ça s'est arrêté. Ça le voit plus, c'est bon, on peut. Surtout qu'en plus, toi, c'est la première fois que je vois un boîtier où les trucs sont accessibles. Genre ici, mais ça ne refera plus. Ici. C'est fini? Juste ah ouais? On s'y inquiète, ouais. Comment tu sais? Attends. Oh non, les gars, c'est bon, on peut le tourner. Attends, mais comment tu sais, ça va plus le refaire? Non, mais pourquoi ça le refait plus? Mais les gars, je vous le dis. Grande salaire la carte. Je vous le dis, les gars, y'a rien. Non? Toi, tu prends un informaticien ou tu l'es pas? Non, mais je peux parler avec un bidou, mais après, ça dépend. Il fait quoi, vous deux? En vrai, je m'en fous de la morphologie. Oh là là, C'est fermé! Non, vous avez d'autres galères. Pourquoi ça marche plus? Enfin, pourquoi il le fait plus là? Pas dévoilé, je suis choqué, cousin. Tu sais que c'est ma phobie, un jour, on m'abandonne dans un camion comme ça. Je sais pas. Attends, il m'inquiète ce mec là, frère. On dirait qu'il a fait un truc! Voilà, on dirait qu'il a fait un truc, ça fait plus. Arrête de bégayer. Sorcier! Tu parles normalement, arrête de bégayer. Vas-y. Non, l'autre, tu peux aller, la petite, genre, non, allume. Hein? Ouais, elle, c'est bon, parfait. C'est fermé, ça, mais que quoi? Comment tu sortir? Eh, les gars, on disait quoi, nous? Ouais, non, mais j'ai compris, genre, dans les choses, quoi. Oulala, aïe! Ah! Mais comment tu sortir? Pardon! C'est celui en aval qui doit faire attention à celui en amont. Vas-y, vas-y. Non, c'est celui-là de sortir. Oh, oulala. Bonjour. Bonsoir, voilà. Comment vous allez? Ça va super et vous? Ça va tranquille, dites-moi qu'est-ce qu'il vous faut. J'aimerais avoir une custom. Eh, hey, faut que vous passiez par devant et après vous descendez. Mais bon, attends, on le fait, allez. Ah oui, vous pouvez pas descendre par derrière, y a pas de poste. Voilà, tu montes devant et après tu descends. Voilà. Voilà, alors, bonjour. Pour les customs, ça va être compliqué. Parce pourquoi? Parce qu'on a un petit souci. Oh. Pour les factures et tout. Bah, je te paye en cash.
En fait, non, en fait, comment dire, nous de base, nos factures ont triple le prix. Là, vous avez payé juste le prix de l'usine. Oh. Bah, c'est parfait. Vas-y, super. Ça sera pour une custom, du coup, s'il vous plaît. Bah, je peux pas, mon patron m'a dit non. Et je vous rajoute un petit peu en cash, au pire. Bah. Tu me fais une facture de prix d'usine et un peu plus en cash. On va voir combien ça coûte en. Quand je fais de base, et je vous dirai. D'accord. De toute façon, moi je veux des. C'est surtout esthétique que je voulais voir. Esthétique, ok. Bon, dis-moi que je voulais tuer. Bonjour madame. Bonsoir. Là, on est sur les ailerons. D'accord, vas-y, fais voir. Elle a l'air d'avoir du lourd cette voiture, ça fait plaisir. Oui, oui. Ah. Oh. Oh. Oh, je sens que je vais meurtre. Aïe. Ah. Mais là. C'est encore. Aïe. Je t'ai pas vu. Comme par hasard, bon putain. Mais les gars, en orange, en plus, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. À chaque fois, vous rentrez quand des malades au Bénise. Non, mais eux, ils sont accrochés à mon zizi. Ouais. Ta gueule, sale pute. Du coup, vous voulez quoi de. Il est là. Non, j'aime pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, j'aime bien. Ouais, celui-là, j'aime bien. Oui, celui-là, j'aime bien. Couleur 1. Couleur, oui, non, couleur 1. Super. Pare-choc avant. Ça coûte cher ou pas ce que tu me fais là? Là déjà, j'attends, je vais te dire combien. Et il vaut combien ton véhicule, Javier? Tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter, désolé, c'est une pièce unique. Ah ouais? Là, déjà 903 dollars. 903? Oui. Hein? C'est ce que j'ai sur moi. Allez, annule. Allez, on descend. Mais tu es fou quoi, espèce de voleur? Faut moins les perfs. Attends, les... Non, les perfs, c'est pas grave, elle est déjà bien. C'est parce que. Ah ouais? Ouais, j'économiserai quand on sera riche, on fera les perfs. Mais jure, il y a 4 places de sang! Au revoir les connards! Ta gueule! C'est quoi cette musique de fou là? Pardonne, bonjour. Bonjour. Faut pas les calculer eux. Et ça, les oranges? Ouais, ça y est, moi, je réponds. Je réponds plus à leurs attaques. C'est les Hoover, non? Oui, c'est les Hoover. Nous, on s'appelle comment, nous? Mais déjà, c'est quoi le numéro? Il n'y a pas un numéro dans les Vagos? UIC Vago Street. Pourquoi UIC? VYG O Street. VYG O Street. Ouais, ma couille. Oui, Jojo. Il ne peut pas se passer de moi, il m'aime trop le Javier. Tu veux que je passe te voir maintenant, là? Je suis dispo. Vas-y, écoute, tu peux passer me voir, vas-y. J'arrive. Allez. Je suis dans le sud, hein. Faut que tu attendes un peu. Et vas-y, je t'attends. Les vis, du coup. Les vi, vi, les vi, vi, VL Streets. VAGO. Mais pourquoi AO? Vagos. Vagos Logos. VL Streets. Merci, pêcheur. Merci, mon frère. VL Street. Vagos Locos Street. Il nous faut un numéro. Les gens, ils ont des numéros. Attends, c'est quoi le numéro de l'endroit où on est là? Attends, regarde. Non, il faut le numéro du barrio. Ouais, le 316. 316 VL Street. C'est 316 le barrio? Ouais. À El Rancho? Attends, je vais récupérer les lingots, j'arrive. J'en ai trop marre de monter à chaque fois. Je prends un pétard au cas où? Oui, tu peux. Attends, je prends. Il m'avait dit 5000. Ok, super. Et toi? Bien. Tu m'as dit quoi? Si tu veux pas galérer, ouais. Tu te concentres quand tu montes. T'as vu comment c'est trop chiant, sérieux? Oui. Ouais. En fait, c'est les portes, elles nous bloquent à chaque fois entre nous. Et c'est provisoire. Oui. C'est fou qu'il y ait pas d'architectes qui veulent construire au barrio. C'est vrai que personne ne veut faire un truc. Oh, il y a Martin dans Cars. C'est putain. Tu sais que j'ai jamais vu Cars. Quoi? Ouais. Moi j'ai vu que le 1. Moi. Bah demain c'est une journée Cars. 1, 2, 3. Demain on fait un jour Cars. Ouais. Du coup, El Rancho c'est 139 ou 146? Il y a deux numéros. 139 139 ou 146 14 139. Et pourquoi 139. On compterait pas en espagnol? Uno tres nueve.
Nuebe VL Street. Nuebe NVL Street. New Vagos Locos Street. Oh, ça conduit le. comment on dit street en espagnol déjà? Street art. Mais non. La calle. La calle. Oh, du coup, on fait. Nueve VL Calle. Ah, oh. Ouais. Non, street, c'est mieux. Pourquoi vous êtes tous les deux à l'arrière? Parce qu'on va te mettre 3 étoiles à la fin de la course. Uber, hein. Regarde, j'ai beaucoup dehors. Merci le pêcheur. D'ailleurs, comment je fais pour mettre mon coude là sur le rebord? Va à toi de nous dire. C'est sûr que tu sais faire, toi. Tu sors le bras, c'est tout. Si, toi, tu connais tout par cœur. Merci le pêcheur. Moi non, mais. Javier, oui. Non, pas Javier, mais Paolo. Je casse la vitre, j'ai mis mon coude aussi. Ah ouais? Attends, je mets mon coude sur toi. On va être que nous trois ce soir? Je pense, hein. Peut-être que. T'as vu, tous les samedis, il est pas là. Rio, je sais qu'il est pas là. En fait, les deux darons, ils sont pas là. Oui. Le rider? Ma soeur, je sais pas où elle est. C'est des allers-retours Mexique-Brésil. Ah, ouais. C'est bon, j'ai trouvé! Wouhou! T'as fait comment? Je m'assois comme dans une lowrider. T'as envie de faire, moi, faut que je te monte un truc. T'es prêt ou pas? Vas-y, je suis prêt. Non, t'inquiète, non, il est là, je suis là. Comment t'as fait? Tu veux savoir, en fait, ça, il a jamais sauté, il a juste ouvert la portière. C'est oui. Ah, j'ai compris ce que tu fais. Tu sors et tu arrêtes de sortir. C'est ça? Ouais, ah c'est non, ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On va te tester, c'est pas mal. Ah, toi, trouver après, on va pas tout te dire. Oh, regarde. Regarde, quoi? Je fais des trucs avec mon bras. Tant mieux ça? Oui. En fait, il y en a plusieurs. On est quand même con pour trouver des trucs comme ça. Mais c'est plus simple quand tu sais à quelle place. Pourquoi il y a que nous qui trouvons des trucs comme ça? Tu sais, il y a ça et après il y a ça aussi. Ah oui. Non, Javier, pas comme ça. Pourquoi je sors mon téléphone? Bonne question. J'en ai marre. Sors-le pour de vrai cette fois-ci, range-le. Mais ce que je fais, mais c'est plus fort que moi. Parce que là, je sais pas, tu regardais ta main, c'était bizarre. Ok, c'est bon. C'est bizarre, le vent là il tourne, mais ta main elle bouge pas. Oh, tu me casses les coronets. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Je conduis avec mes genoux. Non, t'es bon, hein. Ta 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 ta. J'écoute de la musique, là. De la bonne musique dans les oreilles. Ah ouais? Oui, de la musique de latino. Ah. Guantanamera. Oulala, bonjour. Et ta patin Guantanamera. Guantanamera. Du coup, vous savez si on est recherché ou pas? J'ai pas l'impression, non? Non. Tu es chez Borki? Bah, les Poyos. On était à Alcatraz hier et on s'est échappé. Oh. Ah oui, tu étais pas là hier? Bah, non. Bonsoir. C'est qui là? C'est les Gitans? Oui, c'est les Gitans. Mais jure, incroyable. Salut. Salut, mon chef. Ah merde, je suis pas sûr. Ça va, Mepral? Ça va, les Gitans? L'honneur. Ça va, et toi? C'est Ravière, je suis venu voir Joe. Ah, ok. Vas-y, je vais te le chercher. Vas-y. Merci. Vas-y. Oh. Eh, lui, c'est pas un gitan, lui. Eh, tu fais quoi dans le quartier, non, toi? Non, il passe comme ça. Ouais, c'est passer, ça, dégage. Si voilà. La recule, calotte de tes morts. Oh ah vas-y. Mais
Il est en train de niquer ta voiture là. Mais vous savez quand vous pouvez. Ça va comment, Ravière? Ça va, Joe, vous savez que vous pouvez empêcher les gens de passer ici, hein? Vous voulez que je le fasse? Bah, j'arrive pas. Vas-y, j'aimerais bien ma couille. À chaque fois, ils rentrent comme si c'était chez leur mère. C'est bon. Je sais pas pendant combien de temps ils vont m'écouter par contre. Bah écoute, on verra. C'est déjà mignon, bon alors. Ça va, Joe? Bah ça va et toi, mon cousin? Regarde, attends. Vas-y, fais-moi guetter. Regarde tout ce que j'ai pour toi. Vas-y. Attends, c'est bon ça. Bah ouais. Attends, je vais guetter. Il est bien rempli, hein. Alors, oh, c'est propre. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du monde chez vous. Attends, faut que j'en prenne un peu parce que t'as vu, je peux pas tout mettre dans la caisse. Oui. Une petite soirée en fait chez vous, carrément. Non, mais tranquille, on a que les gens. Charlotte, j'espère qu'il va bien me payer. Hein. Bien sûr, tiens mon Dylan, prends-y les lingots qui lui restent là. Vas-y, je les prends. Merci. Tiens, prends. Prends Dylan. Tu veux un coup de main, mon Joe? Ah ouais, attends, prends, je prends 3x3. C'est nickel. Merci. Super, de rien. Toi, ta tenue, elle est vraiment bizarre. Et pour 100 lingots, on a eu un bel état. J'espère que là, on va être bien payé. On a 300 lingots. Okay. On a 300, hein. Ouais. Non, ma tenue, elle est bien. Il y a un petit peu de jaune. Paolo. C'est pas liberté, ici, à l'arrière de ton pull, avec les vêtements. C'est au cas où j'oublie que c'est des vêtements. Et devant, il y a tous les pays. Ouais, parce que je suis un mec multinationaliste. Il y a quoi? Il y a Australia, Austria, Azerbaïdjan, Belgium, Bulgarie. Qui? Ta grand-mère, elle m'a demandé. Qui t'a demandé? Par contre, c'est qui ça là-bas? C'est ton père. Je sais pas, c'est des afro, mais je sais pas c'est qui. J'essaie de reconnaître là. Bah, y a les Schmitt qui arrivent. Les Schmitt. Regarde. Bonjour, les Schmitt. Ouais, c'est pas terrible. Pas terrible. Non mais là t'as mis un panneau devant mais ils vont tous se placer devant, non? Ils vont pas bloquer la sortie. Bah après Oui Dylan. Ouais, vous voulez quoi du coup? Comment ça on veut quoi? Tu veux récupérer nos lingots, t'as oublié? De quoi? Ah les seaux? Bah oui. Bah ouais. Faut attendre qu'on les fonde. Ah ouais. Bah ouais. On a pas les sous du coup. Ah d'accord, ben j'attends que Joe me le dise quand même, non? C'est pas... Bah vas-y. Un peu de politesse. Bah alors, faut nous prévenir quoi. Je vous demande ce que vous faites là, je peux pas faire pas roter pendant je sais pas combien de temps. Oui c'est pour ça, mais j'aurais aimé que Joe il vienne me voir et il me dise ah ok ça marche, merci, ben on va les faire fondre et on te tient au courant. Bah il arrive. C'est bon mon cousin. Salut Joe. Bon bah écoute, ils sont où mes pochons, mais mon... Tiens. Je vais y arriver, c'est mort. Tiens, $5000 tu m'as dit, on est d'accord. Non, c'est pas 5000, c'est un peu plus. Un peu plus, combien, Armano? J'ai dit ça. Attends, c'est. Tiens, 6000, c'est bon, 6000, c'est pour moi, regarde. On a arrondi à 6000, vas-y. Les gens, c'est pour... parce que j'ai mis du temps à te payer. T'as pas mangé, toi? Vas-y, c'est bon. C'est dans combien de temps? Et je vais avoir combien là pour tous ces lingots là? Franchement, je sais pas du tout, ma couille, mais tu vas tirer un bon billet, c'est sûr. À peu près combien comme ça? Parce que vraiment, je sais pas. Je saurais même pas te dire, ma couille, le cours de l'or il change tous les jours, t'as capté? Ça veut dire le garçon qui nous reprend ça. Des fois il fait un peu le manche-pierre, des fois il est mignon, tu vois. D'accord. Donc ça dépend de son humeur ou de combien il va racheter ça, tu vois. C'est dur de manger des pierres. Bah, c'est une métaphore, c'est une métaphore. Attends, ah bon? Il y a des gens qui mangent vraiment des pierres, genre ils font des soupes et tout. Des soupes aux pierres? Ah oui, des trucs blancs que j'achète là. Il y a là les minéraux sur le caillou, tu le dis, j'étais prêt pour courir un marathon, mon cousin, je vais pas te mentir. Ça c'est sûr. Pas sûr de l'info, mais c'est plus 10 000 ou plus 100 000, 300, presque 400 lingots. C'est pas 100 000, ma couille, il croit, il m'a donné ben, 700 fois, lingots, mon frère. J'ai donné 100 lingots à quelqu'un, il m'a payé un bel état. Oui, bah alors là, c'est que t'es tombé sur gentil, un bon guignol de foire. Ah oui? Ah oui. Ah. C'est sûr. Hein. Parce que là, vous si vous nous a ramené après, là, la vous perte donnez pétoir. Ah bah même un peu plus qu'un pétoir, mon cousin, tu vas voir pour 338 lingots. Je dis avec 20 000, avec 200 lingots, tu fais à peu près 20 000. À peu près, en général, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment pas très cher, hein, les lingots. Non, c'est pas un truc de ouf, quoi, mais ça diffère selon les jours, en fait, c'est pour ça. Ben, attends d'avoir un bon jour pour les faire fondre.
Ah bah ça je vais pas te mentir, c'est la Martine qui va faire. Après oui, elle attend le bonjour, hein. C'est elle qui sait faire, moi c'est pas moi qui font. Ok, ça marche. Bon mais merci Jojo. Bah pas de soucis, mon cousin d'amour en fait comme ça. C'est magnifique ça. Regarde, magnifique ça, t'as acheté ça combien? Je les custom pour qu'elle ait 4 places. Hop, ils vont derrière. Ouais. Ah oui, j'ai cassé les sièges. C'est génial ça. Et vas-y, sors pour voir. C'est une option. Voilà, t'as vu, quand on veut sortir, on doit partir de ouais. Ah oui, c'est normal, tu vas pas casser la vitre. Ah oui, quand même. Voilà. Eh oui. Bon bah c'est tout alors. Bon bah au revoir mes petits chitons. Faites attention à vous mes cousins, puis je t'appelle quand j'ai ton os. Au revoir, au revoir. Allez. Oh, tu as vu, les gens ils rentrent plus. Ah ouais, t'es mignon ma couille, t'es une bestiole. Super. Mais franchement c'est top là. Pourquoi t'es rentré par la fenêtre? Pourquoi tu t'as cassé la fenêtre? Oui, pourquoi t'as niqué la bagnole? Et je me maîtrise pas les gars, parfois je fais des choses que je contrôle pas. Ah mais Dushane il me répond c'est pas. C'est une chanson de Metal Game ça non Dushane. Quoi? Parfois je des questions. Des fois je fais des choses que je comprends pas. Oui, pardon Dushane, je parlais pas à toi. Enfin, je chantais pas à toi plutôt. Laisse-moi tout t'expliquer. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Dushane. Laisse-moi tout t'expliquer. Oui, non, laisse-moi. Non, laisse-moi, je peux tout t'expliquer. Oui, c'est vrai. Parfois je fais des choses que je comprends. Dis-moi Dushane, c'est pour, par rapport à la mission, parce que on s'inquiétait, je me suis dit putain. Il répondait pas, j'ai eu peur. Non, non, t'inquiète, je suis là. Ton argent aussi, tu l'as pas eu encore. Non, je l'ai pas eu, mon argent, mon pire, tu me le donneras quand on se voit. C'est ça, exactement. Là, je suis un peu occupé, mais dans la soirée, on va essayer de se voir. C'est à peu près, rendez-vous vers quelle heure? Comme ça, moi, je sais à peu près dans quand je me libère. Ok, ok. Par rapport à la mission? Oui. La mission, ce sera demain, je pense. Ah ouais, attends, le problème, c'est que là, il y a eu 2-3 retardements, on va dire. Mais putain, je... Ok, d'accord. Tu vas pas me dire que t'as libéré toute ta soirée juste pour la mission? Si. Non, j'ai pas libéré toute ma soirée juste pour la mission, mais j'aurais pu. En vrai, j'aurais pu faire autre chose. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, ce soir, t'auras ton argent, ça c'est sûr. D'accord. Et la mission, de toute façon, tu seras le premier au courant, t'en fais pas. Ok, ça marche, merci. Ok, reviens. Au revoir, Dushane. Ouais, bon courage. Merci. Faut que t'appelles le mec de Caillou pour lui dire. Dushane, c'est Harlem Boy? Ouais, ce que j'allais faire en plus. Harlem Boy. Because I'm Harlem Boy. T'as la ref Javier ou pas? Je pense pas. Hein. Allô? Oui, coucou Cletus. Ouais. Non, il est trop jeune. Vous allez bien? Oui, ça va et toi, hermano? Bien, bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce en gros, tu te rappelles, on t'avait dit qu'on allait te ramener un agent Titan ce soir pour qu'on avait la mission des autres là. Apparemment, je t'en rappelle pas trop. C'est quelque chose, oui. Bah, ils allaient vous missionner ou je sais pas quoi, oui. Oui, 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 mais au final, il m'a dit que ce sera demain la mission, du coup, je pourrais pas te passer tes alliages ce soir. Très bien, très très bien, bah, on verra demain, du coup. Tu as besoin de moi pour quoi que ce soit aujourd'hui? Attends, ils veulent te faire attraper du titane demain? Oui, demain. Eh, ok, merci pour l'info. Et ça devait être ce soir. Oui, effectivement. Ça n'a pas trop de sens, même. Ah oui? Parce que la livraison de titane est ce soir, donc pourquoi vous faire prendre du titane demain alors qu'il n'y a rien demain? Bah apparemment il y a eu des retardements. Bonne question. Ah bon, ok. Tu veux que j'essaie d'en savoir plus? Si, vas-y. Rapporte-moi l'info parce que c'est nous qui nous occupons de ça en plus, donc bon. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, merci. On n'a pas des gens à péter? Si, Lionel. Ah oui. Ouais. Mais okay. Comment on trouve un mec qui s'appelle Lionel et qui est une organisation de Dayton? Ben il habite vers la maison. On sait qu'il habite. Attends, à la maison. Attends, mais ton père en plus il s'entendait bien avec Dayton. Mon père à moi? Bah ton père ça a été un Dayton. Ah oui, mon père c'était un Dayton, c'est vrai, je te l'ai dit en bah plus. Ah oui, donc on peut pas les trahir. Mon père c'était un Dayton. Tu vas pas trahir la descendance de ton père. Ben mon père après, il était avec eux parce qu'il y avait rien de mieux. Ah ouais? Mais il s'en battait les couilles, oui. Elle me l'a dit ma mère. En gros. Il était avec les 18, mais dès qu'il y a eu les Vagos, après c'est bon, ça c'est terminé. Après on peut toujours demander plus d'argent aux 18, hein, du coup. C'est vrai qu'on peut faire un truc d'un inversé. Hein. Après est-ce que les 18 ils en ont pas rien à foutre d'un mec comme ça? Bonne question. Mais tu penses qu'il veut nous baiser doucher ou s'il est sincère? Il y a un monde où il est sincère, mais moi, vu que je fais confiance à personne, je pars toujours du principe qu'ils veulent nous baiser. T'es bon. C'est un bon principe, non? Oui.
Mais ça doit te rendre le fou des fois. Parce que si tu penses tout le temps que les gens ils veulent te baiser, hermano, après tu deviens fou, tu fais plus confiance à personne. C'est bien pour ça que j'ai dit ouais, vu que je fais confiance à personne. Oui, c'est vrai, mais moi tu me fais confiance. Bah oui, et moi hermano, on est ensemble. Oui, ok, super. Allô. Oui, Dushane. Hermano, j'avais une question. Mais là, comment ça se fait qu'il n'y a pas la mission de ce soir? J'ai pas compris. Et en fait, mais je suis désolé de te faire ça, mais c'est que il y a mes hermano qui me demande, il me demande des comptes, tu vois. Juste que je puisse leur expliquer un petit peu. Il y a plus la livraison, du coup, c'est annulé. De quelle livraison tu parles? Ben, je sais pas. Tu m'as dit, on y aurait une livraison. On va devoir récupérer des colis. Je sais pas trop quoi. Ça m'a jamais sorti ça de ma bouche. Putain, alors j'ai rien compris. C'est une mission, tout simplement. Et la mission, t'en sauras plus une fois que tout le monde sera au courant, que j'organiserai ça et que ça va être fait. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Ok, d'accord. Ça marche. Il y a quand même la livraison. Il y a quand même la livraison. Ok, merci Dushane. Je leur dis que, en gros, t'as eu des galères, quoi. En gros, c'est ça. Pas de problème. Super, ça marche. Oui, en gros, okay, je crois qu'il y a quand même la livraison. En fait, c'est peut-être pas lié. Attends, c'est où la Mesa, bordel? C'est de... à gauche. Mais non, c'est à droite, et tout droit. Pardon. Vers Wardog. T'as vu ma voiture tellement elle est basse, ouais. Les trottoirs ils passent pas, regarde là. Je riais pas. Changer le pare-choc. C'est à gauche et tout droit, c'est juste avant Wardog. C'est le quartier, tu vas le voir. De toute façon, c'est là où il y a le Savage. C'est là où il y a le Savage. À droite là? Non, à gauche. Non, tout droit. Tout droit encore, la prochaine. Ah oui, je le vois, c'est là. Il est là. Tu le voyais pas avant? Je l'avais pas vu. Oui, ça c'est des voitures d'Orga, ça je reconnais. Quand il y a des gens. C'est fini, ils habitent plus ici, je crois. Kill 18? Ah oui. Que les Savage. Je sais pas. Excuse-moi, seigneur, bonjour. Bonjour. Monsieur. Mais le patron. Monsieur. Oh. Oh, gros con. Oh. Ah non, il veut pas. C'est bizarre, les gens ici, à chaque fois que je leur parle, ils veulent pas répondre. T'as vu ce que je disais hier avec Rio? On dirait qu'il y a des gens qui te répondent et des gens qui veulent pas te répondre tout le temps. Après, il y a beaucoup de voitures là quand même. Ah, il est parti. On ferait pas la même mission infiltration que c'est les soirs. Eux ils habitent dans ce bâtiment là. Celui de gauche je crois. Et on va voir dedans. Mais putain, je ne monte pas. Ok, c'est bon. Ça les Savage. Ah, c'est les Savage, mais on va demander aux Savage si jamais il y a pas les Hitin qui habitent là. Vas-y. Après, il y a moyen que les Savage ils veulent me baiser ma race. Ah oui. Bah là c'est une mauvaise idée alors. Putain, mais c'est rien. Bonjour. Oui, c'est bien ici hein. Oh, bonjour madame. Oh, y'a Samira. Oui, Samira. Allo, Javier, ça va? Oui, ça va et toi, Samira? Ça va, mais en gros, je suis bloqué là à la prison. Tu voudrais pas faire un truc? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu veux que je te ramène un hélicoptère pour te sauver? Oui? Oui, je vais bien, s'il te plaît. Ben, d'accord, ben vas-y, je t'envoie un hélicoptère, on arrive. Attends-moi à l'héliport, d'accord? Tu vas vraiment venir en hélicoptère là? Bah tu veux que je vienne comment? En volant, connasse? C'est bon, Ravière, J'arrive, je vais trouver un hélicoptère et j'arrive. Ok. Vas-y. Super, super. Attends un peu. Ok. Allez. Oh, va voir derrière. Y'a quoi? Vas-y, bombarde. Et là, et tout au bout, tu tournes à gauche. Y'a quoi? Sur le pont. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Y'a quoi, là, tu tournes à gauche. Et regarde, tu vas comprendre, c'est trop stylé. Bombarde, hein. Faut qu'on le rattrape. Regarde le camion devant. Regarde, il transporte quoi? Oh, il a oublié. Il est parti sans sa cargaison. Viens, on l'accroche. Bah oui, mais comment? Oh, attends, est-ce que tu crois que j'ai la puissance? Mais quoi? Ouh là là. Oh non. Tu sais que je vois pas de quoi vous parlez là. Ah oui? Ah, peut-être que c'était un problème et qu'il l'avait toujours sur lui. C'est une remorque qui transporte des voitures de Poyos. Ah ouais? C'est la première fois que je vois ça. Ok, on va trouver un hélicoptère. Il est devant, il est là-bas. Et on va aller chercher Samira. Ah, là, j'ai vu un truc au long.
Mais c'est qui Samira? Il y a même un blindé à droite. Samira, c'est une amie à moi des Rokina. Ok. Je pense qu'elle va rejoindre les Vagos. Ah ouais? Oui. Parfois, je fais des choses que je comprends pas. Et toi, t'as du mal avec chose, hein? Oui. T'arrives pas à le dire. Chose. Des choses que je comprends pas. Oui. Paf, dans le sanglier. Faut de trouver une feinte avec le truc devant là. En fait, tu fais semblant oui, de sauter. Allô je t'ai dit t'es que j'arrive. Ok. Bah, on t'attend sur le lit par. Ok. Bah, oui, bah oui, je t'ai dit que j'arrive. C'est pas pour rien. Supprime le truc. Oui, t'inquiète, je l'avais dit de ne pas le faire. Merci, on t'attend. De rien, beaucoup. De rien. Cette connasse, elle a fait un report. Ah. Bon, vas-y. Oui, c'est pas grave. Mais l'avion qu'on avait là, on peut pas le prendre. Ouais, mais c'est vrai, si on a l'avion. On pourra jamais se garer sur ça. Bah, sur l'eau, justement. Il y avait un endroit où on pouvait sauter dans l'eau, t'as vu? Là, regarde, il y a un hélicoptère, parfait. Ah oui. Ah ouais, l'hélico. Putain. Tiens, regarde. Par pitié, sautez. Oh, vas-y, go. Wow. C'est quoi cet hélicoptère de fou? Tu arrives à grimper? Attends. Ouais. Ah, je vois, est-ce qu'il y a de la place? Il n'y a pas trop de place. Hein. Ah oui, il n'y a pas de place? Non. Ok, attends, je vais prendre un autre. Alors. Par contre, il est grave stylé celui-là. Ah oui, on dirait un hélicoptère de Lego. Ouais. Ah ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, t'inquiète. J'ai appris à sauter sans parachute. Il s'est évanoui carrément quand il a vu l'hélicoptère. Ouais. Vas-y, viens. Vas-y. De toute façon, il nous rejoindra. Il est déjà dans l'hélico. Merci Saint. Monsieur, ouais Saint, je crois que je le prononce bien ça. Tu pourrais me mettre un point à Alcatraz parce que je sais pas trop où c'est. Attends, vas-y. Hop. C'est bon. Super, merci. Pourquoi? C'est quoi cette musique de fou là que j'en... T'as mis de la musique dans la voiture? Non, Hermano. Putain. J'entends une musique comme si j'allais faire un braquage là. Tu sais, genre un braquage de la Pacifique. C'est pas le braquage, la musique de l'hélicoptère peut-être? Non, c'est pas la musique de l'hélicoptère. Partez en guerre les modos. Détendez-vous, frère. Détendez-vous les modos. Y'a rien, c'est pas grave. Je sais que ça fait 20 jours que vous modérez. Et pépère. C'est bon, j'ai éteint la radio. Merci à Paul. Merci mon ref. Comme de haut vu comme ça là, c'est pas mal hein, en vrai Alcatraz. T'as vu, c'est bon hein. Attends, laisse-moi me concentrer pour l'arrivée, vas-y, je voulais pas te répondre. Vas-y. Il a dit non, il n'y a pas de pépère. Ok, bah. Vas-y, c'est toi le chef, Tismo. Force. Putain, mais attends, mais est-ce que ce serait pas le moment d'aller chercher nos affaires? Je pense qu'il y a des gardes quand même, non? Ouais. Mais là, les gardes, ils t'auraient déjà vu, hein. Il n'y a pas de gardes, nique les gardes. Ah ouais? Attends, il y a un hélico, il a explosé à gauche. T'as vu ou pas? C'est qui le monsieur? Ah, mais y a tous les hélicos qui ont explosé. Bonjour. Aïe, c'est une madame. Allez, grimpez, grimpez vite! Ils sont deux. Ah, mais y a de la place pour tout le monde. Ouais. Ouah, c'est quoi cet hélico de bâtard? Allez, vite! Grimpez! Oh merde! Oh non! Ah. Mais serre-toi, Samira, arrête de faire la connasse! J'essaye, t'es grave grosse, toi, madame Samira.
Vite, on va se faire filer dessus. Vite là. Oh, il y a des coups de feu. On se fait tirer dessus. Aïe, aïe. On se fait tirer dessus. Vas-y. Vite, faut dégarpir. Faut dégarpir. Y'a pas un coffre? Attends, je regarde. Non. Si, y'a un coffre, je crois. Oui, je l'ai pas fait. Allez, grimpez, vite. Attends, vite, attends, vite, 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 vite. Ils arrivent. Oh mon dieu, les gardes, ils arrivent, ils sont des M4. Lâche-moi, lâche. Ah ah, madame, vite, allez, vite, madame. Décolle, décolle. Allez, allez, attendez, attendez. Ah, je suis touché, je suis touché. Merde. D'accord, sinon ça va? Ah, ça va. Eh, c'est tout petit dans le coffre. Ça va, tu vas pas te plaindre. Vous êtes parti là? Oui, oui, on est parti. On vient te chercher. Oui, oui, on va là. C'est bon, tu peux sortir du coffre. Ouais. Non, sort. Bah, si, on s'est posé. Merci beaucoup d'être venu. De rien, merci beaucoup. Tu me dois une fière chandelle. Oui, c'est vrai, tu m'as fait évader de prison. C'est quoi, pour la peine, tu vas rejoindre les wagons désormais. Je vais bien faire. On en parlera juste après, je vous ferai des missions. Des missions? Des missions. Comment ça, non, mais je fais des missions pour vous. Je suis votre sbire. Votre sbire. Si. On va te faire. C'est quoi, pour la peine, j'appelle Fabio, espèce de traître. Quoi? Mais j'ai rien dit. Tu vas attaquer Nexus. Allô, Fabio. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, mais je crois que t'as une meuf de chez toi, c'est une traître. Samira. Samira. Ouais, on allait la chercher en prison, elle veut rejoindre les vagos. Dis-lui, on va la balancer du ciel. On va la balancer de l'hélicoptère, ça te va? De toute façon, elle est en couple avec Rafi, celle-là. Également. Et Rafi? Lequel? Le nôtre? Ah ouais? Putain! Vas-y, Fabio. Samira, t'es dans la merde. T'es vraiment un connard, toi. J'ai rien fait, moi. On est arrivé au favelas. T'as dit quoi? J'ai dit on est arrivé au favelas, ça peut descendre. Attends, je me gare. Attends. Vas-y. Oulala, oui, doucement quand t'atterris. Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. Attention, parce que favelas, c'est beaucoup de... Vas-y, Samira. C'est bon, je sais pas comment t'étais. J'entends encore les hélices. Oui, mais c'est normal, on est posé. Oni, je peux sortir? Non, sors pas. Oh, toi, je te pousse, toi, je te mets. Non. Tu vas voir là. Attends, mais détache-la avant de la pousser, ça sert à rien sinon. Attends. Mais pourquoi, Oni, t'es une sale connasse? Pourquoi? Oni, je te connais pas, je t'aime pas. Quoi, j'allais pas laisser sauter. Bah si. Bah, elle m'a sauvé la vie, vous êtes con ou quoi? Oni, pour combien tu sautes maintenant? Je saute pas, mais... j'ai pas de parachute. Ah, mais c'est vrai, elle a mais pas la vue, il est vraiment en bas. Ok, là par contre, tu peux vraiment sauter, Samira, vas-y. Bah ouais, il est là. Samira, elle a parachute. Samira. Oh, elle a sauté? Ouais. Mais t'inquiète, elle a pas. Ah, mais elle a pas regardé la vidéo sauter sans parachute. Attends, mais je crois qu'il faut tomber en haut. Je sais pas si elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau. Allez, pousse Sony. Dégage, Sony. Tiens, Sony. Non, j'ai pas de parachute. Non. Allez, pousse-la fort. Je te pousse là. Ah, elle a pas de parachute. C'est en I, Oh, j'ai pas de parachute. Oh. Ok, bon, au moins, on y est. Attends, est-ce qu'on a la petite... On va pas les vaincre. Elle est non. En fait, j'ai envie d'essayer aussi, du coup. Vas-y, saute. Ouais. Pareil, j'arrive. Non, mais non. Mais attends, mais j'avais un parachute, moi. Oh, j'en ai plus. Ok, ça va arriver. Ah. Ok, ouh. C'est bon, tout le monde va bien? Ouais. Super. Ah, Oni, par contre, on a pas trop de nouvelles d'elle. Hein. Bah, Bird. Oh, il a repli. Senti, il a repli l'hélicoptère. Bah, non, on a un avion. Et d'hélicoptère. Tu as sauvé l'hélicoptère, Santi? Ouais. Et tu aurais dû sauter. Je sais pas comment j'ai fait. Attends, je vais voir si elles vont bien. Vas-y. Je pense pas qu'elles vont bien. Bah nous, on a bien allé. L'humain, il tombe à 200 km/h et l'eau, c'est comme un mur. Pourquoi tu me fais le mathématicien, connard? Non, parce qu'on a... Oh merde. Je crois pas qu'elles vont bien. Mais non, elles vont pas bien. Elle a tapé un mur, là, je pense. Attends. Ça va, Samira? Ça va, super. Nous, on a sauté. Mais attends, comment s'appelle Oni?
C'est 200. Oni, elle s'appelle. Ou pas? Ah ouais? Oni comment? Je sais pas. Je crois qu'elle s'appelle pas Oni. Oui. Onigiri? Sinon, j'ai son. J'ai son numéro de téléphone. Non, t'as, non, vas-y. T'as sa taille de chute de pointure. Attends. Ah, t'as pas sa taille de pointure? Ouais. Toi, tu l'as, toi? Non. 289. T'es sûr que c'est pas 282? Non, je m'étais trompé. Ah, bah, apparemment pas. Oh! Ah bah. Salut! Tu étais... Ça va, Oni? Elle s'est échouée. Elle s'est échouée. Les vagues l'ont ramenée. Elle a l'air. T'as bien atterri, Ravière, c'est bien. J'ai bien quoi? Atterri? Moi, j'ai bien atterri. J'ai sauté dans la mer, moi aussi, comme vous, hein. Ah ouais? Ouais? Mais nous on a rien, on était bien. Moi, oui, ouais, bien. Moi j'ai vraiment pris cher. L'hélicoptère l'a bien atterri. Tu as fait un plat. Tu sais pourquoi? Ouais. Fallait sauter en I. Ah. Ouais, c'est pourquoi ils ont eu mal ou pas? Woman. Oh, mais y'a là. Elle va te niquer ta mère. Voilà. Et voilà. Y'a la voiture en plus. C'est bon. Bonne année 2010. Allez, au revoir les filles. Au revoir. De rien. Je vais le garer, je vais le garer sur le barrio. Quoi? T'as besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler du coup. D'accord, ça marche. Il est où, Santi? Ah oui, il prend la voiture. Et en fait, c'est là où l'hélicoptère Lego il serait bien parce que hop, t'attrapes la voiture. Mais c'est pas pour les. Tiens, toi, carrément, tu t'es évanoui quand j'ai vu, quand t'as vu l'hélicoptère. Il m'a niqué ma mère. Oulala, attends. Ah oui, oula. Oulala. Ok, plus de peur que de mal, plus de peur que de mal. Ah oui, c'était chaud quand même. Super. Mais il a pas les clés, Santi. Hermano, on a un hélicoptère et un avion. Là, on est bien en vrai. Hein. On est trop bien. Ah, tu crois qu'il a pas les clés de la Golf? Ouais. Aïe! Voilà. Bah oui, il arrive en skate. Alors, on n'a pas les clés? J'ai pas les clés. Attends, place-moi ton skate, je vais la récupérer. Vas-y. Tu peux le prendre? Non. Tu lui... Faut que tu lui passes. Ouais, non. Vas-y, tiens. Oh, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Je viens voir un certain Rafi. Ah merde. Il est pas là. Oui, c'est moi Rafi, que puis-je faire pour toi? Il est là. Non, bah, c'est un peu compliqué, j'ai parlé avec lui. Mais je connais sa tête. Ah d'accord. Donne-lui le... Il est pas là. Parce que il m'avait demandé si j'avais des petits plans à faire, etc. Et là, ce soir, il y a un plan. Oui, bah nous on est là, de toute façon. Vous êtes là, vous? Oui, on est là, nous. Vas-y, bah, passe-moi ton numéro. Est-ce que vous êtes disponible entre 23h et minuit? Oui, disponible, oui. 0609. 0609. Sinon 69,90. Sinon 69,90. 0609. À plein, je t'envoie. C'est bon, normalement, t'as reçu? Oui, Esteban, parfait. Parfait. Je vais vous envoyer une position, un endroit, et je vous expliquerai tout là-bas, d'accord? Vas-y. On est le seul sur le coup ou pas? Trois, non, il y a du monde, mais c'est partagé parce que il y a beaucoup de trucs à faire partir. Okay. Des trucs à faire partir. Ouais. Merci Barbu TV. Bah c'est compliqué, je vous expliquerai sur place, d'accord? D'accord, bah tu nous contactes. Okay. Parfait, nickel. Merci, au revoir. Au revoir. Il est parti chercher la voiture. Mais il a pas les clés lui non plus? Si, il a les clés. Ah oui? Ouais. Il est devenu comme moi lui? Apparemment. Regarde, il est là. Apparemment. Il a les perm raise? Qu'est-ce qu'elle fait Oni là-bas? Elle est en train de vendre sur notre territoire. Mais comment t'as les clés? J'ai les clés depuis longtemps. Ah oui? Bah oui, tu me les as passées quand on vendait à... Comment ça s'appelle? L'observatoire... Non pas l'observatoire, à Core Center. Il y a un mec qui est venu nous voir et il nous a dit qu'on allait avoir une mission. Ah, il s'appelle Esteban. Ah, il s'appelle Esteban. Ouais. Jure? Y a pas... Mais y a vraiment, pas de... vraiment, je crois que ça marche pas cette merde. Ça sert à merci rien, TikTok. Ça sert à rien. C'est esthétique. Merci mon frère TikTok. Ça fait peur aux gens. Quand tu passes à côté d'eux que tu fais ça, ils disent ah. Alors que... Oh. Ouais, c'est ça qu'ils voulaient, ouais. Ouais, lave-glace. L'étau se resserre, tu penses pouvoir l'avoir quand?
Oh putain, il m'a dit... c'est le gitan, il m'a dit les toasts au sel, tu penses pouvoir l'avoir quand? Bah viens, on y retourne. Putain. Tu avais pas dit que tu avais le numéro d'un Haitien? Non. Justement, je lui en ai demandé un, mais... t'en voulais pas. C'est Rafi qui a le numéro. Et ouais, Rafi là, yo. Pub disponible, on pourrait afficher ma tête à gauche là. Pourquoi? Oh, mais j'ai vu grave des... Usel Music. T'as vu comme ça, là. Tu peux faire ta pub ici. Ça résonne trop quand on passe sous un pont, c'est stylé. Armando, ça fait 8 ans. Ouais, mais bon. Ça fait juste. Ça m'a surpris. Même Guero, il est au courant. C'est juste ouais. Le monde, il est fait comme ça. Hein. Je sais pas. Oui, c'est. Les ondes, elles frappent plus quand c'est enfermé. Pourquoi vous voulez me faire les physiciens là? Oh, regarde à gauche le nouveau quartier. C'est le nouveau quartier de qui? À gauche. Oh venez, ah ouais. on raquette des gens, on vient ici. On dirait une prison un peu. C'est trop stylé. Oh, c'est bien les G-Boys. G-Boys. C'est bien ici. G-Boys. Il est marqué ouais. Quoi? Pourquoi on a pas écrit comme ça nous? Jefferson Street. Jefferson Street. Au pire on prend à gauche là. Tu vois à gauche? On prend en face. Mais non c'est moche. Regarde à droite, c'est stylé. Mais attends, pourquoi ils ont ça et on n'a pas ça nous? Oh, je crois qu'ils sont derrière, non? Non, bravo. Non c'est bon. Mais il est stylé. Bah oui il est stylé vraiment hein. Ouais. Vas-y j'ai trop la haine, t'as vu t'es une merde, tu sers à rien. Qui? Toi. Pourquoi? Je t'avais dit, t'as vu ce que tu nous as trouvé? T'as vu ce que tu nous as trouvé et ce qu'il trouve? Ah. Vas-y, Guero, retrouve. Je commence à chercher moi. Les Hermano. Bonsoir. C'est pas ouais. Vous êtes les Oblock ou les 18 vous? Savage. Ni l'un ni l'autre. Savage. Ah oui merde, c'est les Savage ici. Est-ce que je sais qu'on a un mauvais terme, que là vous avez sûrement envie de me niquer mon maire. Je comprends. Mais je ne suis pas là pour vous faire la guerre aujourd'hui, je suis là car je dois parler aux 18. Ils sont pas là. Tous pas là? Essayez d'aller voir au parking d'en face là, de l'autre côté derrière les bâtiments. Vous avez pas un numéro? Pas, ils sont là. Attends, j'essaie de voir. Mettez bien un frère afro comme vous. Merci grosso bozo. Comment un frère afro comme vous? Non mais tu n'es pas suis noir dans mon cœur. Si, moi aussi, t'es comme moi frérot. Bien. Oui. BLM Armando. Oui. Ça va, si il est BLM. Merci grosso mozo. Du coup... Quand tu veux pour la plaquer. Ah ouais merde, excuse. Paolo. Allo, oui. Y'a quelqu'un qui vous cherche à la maison. T'as fait hein? Je sais pas, je le connais pas. Je m'appelle Ravier, dis-leur que mon père le connaissait. Non, bon, t'inquiète, rien. Allez les voir dans la vitrine, allez voir les flics. Allez voir les keufs. Zozo, merci d'être Zozo, va voir les keufs, Zozo. Ils sont au doc, ils ont dit là, ils sont occupés. Ils sont au doc, ils sont occupés. Ouais. Tu leur as dit qu'ils connaissaient mon père. Ils ont dit qu'ils connaissent ton père, je sais pas quoi, j'ai pas compris mon gars. Non, c'est pourquoi tu dis ils? C'est moi, Ravier. Ravier, il a dit vous connaissez son père. Ouais, il a dit, ils connaissent. Comment? Mais ils savent même pas c'est qui encore mon père, ils sont sérieux ou quoi? il a demandé Ouski. Ton numéro. 0609. 0609. Merci Ouski. Ouais. Carré. Il va t'appeler tout de suite là. Merci grosso mozo. Super. Ben merci. Vous allez faire quoi vous? Rien de spécial. Super, très bien. Continue à rien faire de spécial. C'est pas spécial, ils vont faire un truc en dedans, hein. Mais attends. Bah vite fait la pause. Quoi? Mais attends. Quoi? Mais t'as une voiture de place, comment il est monté à l'arrière lui? Ben il a baissé le siège. Ah il a 4 places. Il a fait comme ça. Hop. Oh incroyable. Et tu vois si j'ai envie de sortir, hop, je passe par là. Ok. Bah ben oui Armando. Cool. Merci Husky, merci Zorolf. Merci Baroxide. Merci Calonzo. Je savais pas. Ok. Au revoir. C'est bizarre, les gens ils sont choqués qu'on puisse monter dans une voiture de place. Oui, c'est vrai. Deux portes qu'à 4 places. Ils sont au doc. Au doc. Mais quel doc? Bah. Ils sont occupés, ils sont au doc. Oui, mais les docs, il y en a plusieurs, les docs. Ah, à l'hôpital, t'allais dire? Non, moi je pense que c'est ceux-là. Attends, pour que j'ai mon Je pense que c'est Amazon. Amazon? Ouais, je vais dire la même. À gauche.
et au bout à droite. Là, c'est là que j'allais partir, je pense. Bah, pour moi, c'est ça les docks. Bah ouais. C'est là-bas qu'il y a, y a le bateau. Après, non, de l'autre côté aussi, il y a un bateau. Allez, il y a des bateaux. Non, pour moi, c'est là les docks. Mais c'est là qu'il y a plus de conteneurs. On peut faire des braquages de côté. Il m'a dit ça marche, merci Javier, je te revaudrai ça. Si tu l'as ce soir, sache que tu feras partie d'un cercle très fermé. J'ai toujours 80k au cartel. Si oui, je peux t'aider à arranger ça, mais j'ai vraiment besoin de Lionel, sinon je suis un homme mort. Mais t'as vu, il y a des. J'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur des conteneurs. Hein. C'est qu'on pourrait. Hein. On pourrait les forcer. Ouais. C'est là les docks. Bah logiquement ouais. Amazon. Je pense qu'ils sont à l'intérieur d'Amazon. Il y a les docks, mais il y a Meriwether aussi. Ouais, mais après Meriwether, je pense pas qu'il y a des. Il y a l'autre côté. Il y a aussi des. Il y a aussi des docks. Il y a des conteneurs. On rentre dans Amazon au pire, non? Je suis pas rentré dans Amazon. Il y a une voiture de keuf. Il y a deux voitures de keuf. Oui. Bah. Après, ça c'est pas. C'est pas des voitures de Blink, c'est ça? Ah! Mon mec! Ils sont pas dans le passage secret en bas? Non. Quel passage secret? Quel passage secret? Si un jour il y a eu une vente d'armes. Pas l'ignorant. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. Je sais pas, Hermano, j'ai pas envie qu'on se fasse niquer nos mères, mais il me fait de la peine. Ah, il me fait de la peine le gitan. C'était par où? C'était... Ah, c'était à droite quand tu sors, je crois. Wow. Non, mais toi tu, veux... toi, tu veux qu'on meure, toi? Là, à gauche. Là, à gauche, et tu rentres à gauche encore. Je veux qu'on meure de quoi? On est allé c'est à Caille Périgo sans les demander. Conteneurs. C'est pas un livreur Amazon, il va me tuer. Aïe. Ah, ouais, il y a une voiture. Ah, ouais, mais on va mourir, les gars. On est vraiment mort, là. Préparez-vous. Fermé. Imagine, il y a des AK, des trucs de fou. Il y a un mec là-bas, non? Ah non, c'est une. J'ai envie de tout fouiller. Mais j'ai cru entendre quelqu'un parler. Moi aussi. Peut-être au-dessus, non? Il y a des portes. Il y a trois voitures, c'est pas des voitures abandonnées. Peut-être. Hein. Ou alors ils ont fait niquer leur mère. Peut-être qu'ils les ont juste oubliés. Après, moi je pense vraiment que ça pourrait être Meriwether. Hein. Bah vas-y, va voir. Hein. De toute façon, là on a vu, il y a personne. Donc autant partir. Je regardais juste si on n'avait pas eu un mauvais timing. Et en mode on était sans. C'est Vester, putain. C'est bien ça, Vester. Wow. C'est plus que bien. Je l'éteins avec ma voiture? Non. Non. Alors, en termes de vitesse, non, mais en termes de peut-être faufilage, oui. Dis-toi, c'est jugular tiers. Ouais. C'est les mots, qui font peur, ça. Oui, juste que. Jugular, juste que celle-là. Bah, c'est une jugular tiers. Juste que celle-là, elle drift trop. Ouais. La nôtre? Ou la VSTR? Non, la VSTR. Après, quand tu gères, c'est bien, non? Ouais. Ah bah oui. C'est comme la shafter. Hein. C'est l'amélioration de la shafter, le VSR. De toute façon, il y a l'autre là, Esteban, il m'a dit rendez-vous 23h10 ici. Ouais. Ça se trouve, c'est un truc avec ça. Hein. Peut-être qu'Esteban il est de mèche avec Leighton. Mais non, il a pas fait des mèches, Esteban. Vu que Rafi il parle beaucoup avec, avec Leighton, peut-être qu'il a rencontré Esteban qui était avec Leighton et il lui a proposé un truc. Pourquoi t'as fait Javier? Parce que j'ai vu un mec armé. Ah bon? Oui. Après, t'es chez Meriwether, tu vas en voir les mecs armés. Hein. Et là, par exemple, à gauche, normalement, il y a un mec. Non, à gauche, là, et que tu passes. Ah bah non, il y est pas. Ah si, il y a, regarde. Ils sont trois, mais. Ah oui. Et là, au fond, ça date, cet endroit. Hein. Ouais. On était hier.
Ah non, avant-hier. Ouais. Tu sais quand, quand la sultane elle avait plus de pneus et tout. Ah d'ailleurs, tu veux savoir c'est qui avait crevé le pneu ou pas La sultane? Ouais. Mais c'était qui? C'était Rio. C'est sûr. Pourquoi il a fait ça? Ouais. Il a dit ouais parce que je voulais faire exprès. Okay. Je pense que de base il voulait niquer le pneu des mecs du cartel. Il s'est trompé ce con? Ouais. Parce que les voitures elles étaient côte à côte. Après il nous a dit ouais non j'ai fait exprès. Tant pour que lui à 23h10 il m'a dit que j'avais rendez-vous où? Lui c'est ici qui m'a donné un rendez-vous à 23h10. Au pire, on va voir encore à gauche. Hein. Ouais, j'y vais de ce pas. Aïe, ok, ça va super, ça va super, ça va super, ça va super. Lolo. Pourquoi les gens ils s'insultent toujours? Ouais, you motherfucker! Tu les limites bien. Merci à le munir. Ah ouais. Ah oui, tu le fais super. Ah putain, je peux pas monter. Oh là là, ça va me porter... On marche arrière, on marche arrière. Ça va me porter préjudice, ça. Hein. Un joueur, c'est sûr. Dans la course poursuite la plus importante, ça va baiser. Bah, sinon, il change de pneu par choc. Le camion aussi. Attends. Bah, y'a un camion. Oh, vous avez voté? Mais attends. Non. J'avais envie de faire un truc, là. Tu veux rentrer dedans? Rapprochez-vous, il me demande de me rapprocher. C'est quoi ça encore? Je te jure. Oh, c'est les. Oh, je crois. Attends, faut le braquer, non? J'ai pas compris. Y'a un truc dans le coffre? Ben je sais pas. Non y'a rien. Vas-y viens on part pour qu'il y ait les poyos qui vont arriver. Non c'est moi j'ai arrivé. Y'a rien dans le coffre. Vous pourrez garder, tester la voiture, elle rentre là-dedans pour un plan, c'est pas stylé. Ouais. Dans une... Ah oui en vrai y'a moyen. Ça c'est des plans... anciens ça. Comme dans Fast and Furious avec le coffre. Et le problème, c'est que ça marche. Quand il passe sous un pont et... Mais ça abîme la voiture. Ah ouais, après ça part en couille. Ça encule le camion, ça. Oh, les 18. Bah à mon avis, je pense qu'ils ont dû bouger, hein, déjà. Oh, ah. Oh. Ah. Ah. Est-ce que c'est pas eux, du coup, qui font le plan avec Esteban? J'ai vu beaucoup de camions. Hein. Est-ce que Esteban, c'est pas un 18? Pas de question. Voir, hein. Je t'en prie, vas-y. Merci. Bonsoir. 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 On est un peu à l'avance. Bonsoir, rentrez. Rentrez. Je me garde dedans ? Ouais, garez-vous dedans. Bonsoir. Bonsoir. Tu mets ton location sur ta mise en 6 mois. C'est qui eux ? Non, mais c'est pas le sandwich, ça ? T'inquiète. Non. Bah, si, je l'avais vu tout à l'heure. Mais... Ouais. Salut les mecs de War Dog, ça va quoi ? Salut les mecs. Merci, Béla ! Ah, restez comme ça, c'est nickel, restez comme ça. Bon, si je vous ai tous appelé ici, c'est que je me retrouve avec une certaine problématique. Je dois faire transiter toute la cargaison de tous ces rompos dans le nord. Le problème, c'est que le SPG est un peu au courant qu'il y a un cargo qui s'est fait braquer il n'y a pas très longtemps. D'accord ? D'accord. Donc, vous risquez, si je me baladais avec, j'étais un peu sûr de me faire péter avec. Je trouve que c'est pour ça que je fais appel à des gens peut-être qui sont un peu capables et qui sont efficaces surtout. Et contre ça, je vous donne un peu d'argent ou voire plus. Ça dépendra qui aura ramené le plus de camions. D'accord ? Je vais vous expliquer je vais vous expliquer simplement le principe. Vous voyez, vous avez plusieurs rompos là. Vous faites des équipes de 3, une ouvreuse, c'est bien, vous avez ramené vos voitures. Deux dans le camion. Vous allez à une position précise,
vous avez des pounders, cette position précise. Vous déchargez la marchandise, on est trois. Vous redescendez, vous remontez, et celui qui ramène le plus de rompos aura la plus grosse paye, celui qui ramène le moins de rompos aura la plus petite paye. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok. C'est notre... Et petite hype, c'est le premier, celui qui ramènera le plus de rompos, il aura peut-être un petit cadeau personnel, un petit cadeau de moi. D'accord, okay. Pas que simplement de l'argent. Vous voyez un peu ce qui va se passer ou pas? Ouais, c'est bon, c'est compris. Hein. Par contre, comme je vous ai dit, le SPG est au courant. King, et donc, ils vont regarder un peu les transits qui se passent en ville au niveau de la marchandise. Soyez okay. Discret. Et si vous voyez que le timing est mauvais, planquez-vous, prenez votre temps. D'accord? Ça roule. Très bien. Dans tous les rompos, il y a une clé à l'intérieur des boîtes à gants. Cette clé, une fois que vous avez déposé votre marchandise, vous la gardez sur vous, vous laissez le rompo sur place, et c'est le nombre de clés qui définira le gagnant. D'accord? Ok. Pas de soucis, tout le monde m'a compris? On garde la clé sur nous. Ouais. Gardez la clé sur vous. Non, le pounder, vous déchargez tout dans le pounder, la marchandise reste dans le nord. D'accord? Par contre, commencez pas à tricher, à prendre les clés de tous les pounders là. Attendez, je vais faire en sorte de vous envoyer. Okay. Comment je me démerde pour vous donner la position? Ouais. Vas-y, je monte dans la voiture. C'est une 4 places, t'inquiète pas. Oui, c'est une 4 places. Vas-y. Ah, on est à l'intérieur. Sors, s'il te plaît. Moi? Oh non, on est à l'intérieur du bâtiment. Ah, bah... Faut que tu sortes un peu. Ah, c'est bon, je croyais que t'avais les clés. Hop là, c'est bon, vous l'avez? Non. Non. Et là? Oui. Parfait, c'est ici. Ok? Vas-y, fais voir. D'accord. Donc, okay. deux dans le pounder, deux dans le rompo et une ouvreuse. D'accord? Ça, c'est obligatoire ou on peut faire ce qu'on veut? Non, faites ça s'il vous plaît. D'accord. Parce que il faut quand même que deux qui déchargent, au moins c'est rapide. Ok. C'est quoi? Je sais pas, c'est juste. Hop là, vas-y. Merci, mon j'étais pris des onion rings, mais ils les ont oubliés. Oh, les bâtards. En train de voir la route la plus optimale. Merci, mon boss. Vas-y, sors. Ah. Sors de l'entrepôt parce que je peux pas sinon. Non, sors de l'entrepôt. Sors de l'entrepôt. Ah, mais. Javier. Viens voir. Javier, tu conduis pendant que je mange? Non, moi aussi je mange. Oh. Ah, mais les gars, ça va pas le faire là. Moi, je peux conduire le rumpo. Attends, mais on a 10 minutes. Ouais. Il faut qu'on mange. Vas-y. C'est l'endroit où on a fait planter hier. C'est ça, avec Bradley. Mais wesh, incroyable. T'inquiète, je suis avec toi au cas où. Ouais. Ils ont l'air incroyables ces burgers là. Attends, deux secondes. Viens. Pas là, s'il vous plaît. Vas-y. Tu le dis à Père, je vais te dire. Envoyez-moi des sables. Merci, Wachim. C'est pas donne-moi un coup d'une fourchette, Wachi, mon frère, s'il te plaît aussi. Un coup d'une fourchette. Parce que regarde, il y a. C'est quoi, c'est du magret, mais wesh, incroyable. Bon app. Regardez, attendez. Un gros burger, mais qui a l'air cool, tu vois. Mais en fait, c'est ça, moi j'aime trop là. C'est du magret, cousin. Je sais pas si le photo est cool. Bon, si, je vais me débrouiller, t'inquiète. Mais les frites, elles ont l'air bonnes. Vas-y les gars, savourez bien votre nourriture. Un peu trop cuit. Parce que c'est peut-être la dernière que vous allez pouvoir manger. C'est bien vrai ça. Ok, attendez. Vas-y bien, Bradley. On s'organise comment, du coup? Allez-y. Attends, les gars, ça a commencé. Attends, hein. Est-ce qu'ils sont en train de manger là? Jure, ils sont en train de manger. Bah ouais, je te fous de ma gueule, t'avais dit 23h10. Oh putain, vas-y, attends, ouais. Je les arrête. Il m'a dit qu'il y avait un pétard à gagner, c'est maintenant on rapportait le plus de trucs. Voilà. Ouais, je dépêche. Il m'a dit de dire à personne, mais il l'a dit à tout le monde. Ok, ça marche. Faut prendre des camions et les ramener dans le nord. Eh bon, prends ton temps, digère même si t'as envie. Ah oui, pour le quoi? Non, j'aurais dit de revenir, tranquille. Ça vous allonge pas vous aussi un petit peu là? Non, tranquille, ça mange quoi là?
un bol gueule et du magret de canard. Me demande pas pourquoi je dois. Vas-y, laisse croquer, ouais, je donne, ouais, je donne. Donne un croc. J'avais tout. Toi, tu es vous. Quoi, c'est trop bon, magret de canard. Oh non, 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 toi. Jamais goûté, moi. Non, 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 tu es célibataire, toi. Non. Ah, ok. Vous, vous êtes qui, vous, d'ailleurs? Vous êtes qui, vous? Les bishops. Les bishops? Ah, ouais. Bishop, ouais. C'est quoi les bishops? Bishop, les bloods. Bishop. Et toi, t'es qui? Et toi? Nous, on est les VLC Gangsta Creeps to Andrea. Ils ont changé, hein. T'appelles comment, toi? C'est pas encore définitif. Moi, c'est Santi, moi. Santi. Et toi? T'as pas qui mange, je te dérange là. On m'appelle Ravier. Ravier, ok. Ah là là. Putain, mais lui, il est en train de manger. Oh! Et il mange quoi lui? Lui, je sais pareil pas. Comment, je pense, pareil comme moi, pareil. Ah ouais, vraiment la même. Ouais, ouais, ouais. Il mange exactement. Ils ont acheté au même endroit. Un burger plus du magret. Ouais, c'est original, ouais. Putain, il t'aurait pu commander pour tout le monde quand même, là. Nous aussi, on a faim, du coup, là. Moi, bon, il a pas voulu m'en passer, ce bâtard. Ah putain, toi, ça se voit que t'es l'exclu, hein. T'as vu? Au pire... Hermano, pire, tu, hein, gagnes, tu gagnes la mission et tu t'en commanderas tout seul. Il faut que t'apprennes. Ouais, ouais. Il faut... C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il a, non, dit, Booba. Vas-y, dis. Dis ce qu'il a dit, Booba. Booba, il a dit... Je veux pas ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Là, vous aussi, sont les mêmes. D'accord. Bah, du coup, je veux que tu m'apprennes à commander. Non, 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 pas bah, plus. Sors ton téléphone et vas-y. Hein. Si, c'est vrai. De toute façon, c'est ça. Ouais. Si ça me vole de la marchandise ou si ça ramène du monde en plus, je vous jure, je rentre dans vos quartiers, je vais les faire péter. Voilà. Oh ouais, ça, non, ça marche comme ça. Aussi, ça marche comme ça maintenant. Tranquille, vraiment, y'a pas besoin. Ouais, non, tranquille. Ça, j'ai ouais, plus ouais, me le poser. On sur est pas le comme dos, ça là. Ouais, moi aussi. De toute façon, on a pas de quartier, on s'en branle. C'est vrai. Ça. On a une maison, c'est tout. Je fais sauter ton garage. Un garage. Tu m'as dit quoi? Si deux dans le Pounder et le reste dans la voiture, dans l'ouvreuse. Essayer de trouver des chemins simples, etc. Je pas qu'un burger. Là, je viens de recevoir un message, on m'a dit qu'il y a la Highway Patrol qui a été mis en place là. Ok. Donc déjà, on passe pas par l'autoroute. Il y a trop de trucs dans le burger, cousin, c'est immangeable. Il y a trop gros ce burger. Vraiment pas. Regarde, il y a des pommes de terre, tout, frère. Mais c'est quoi vos délires, les meufs, bon, là, en ce moment? Que vous chantez? Vraiment, je m'en avec une fourchette. Que vous chantez à chaque fois qu'il y a une meuf, elle chante. Ouais. C'est vrai, ça, c'est... Bon, ça me pète les couilles, moi, ça y est. Bah, imagine, bah, tu vas c'est pas normal, dans ta je suis chanteuse. Hein. Ouais, mais je sais pas, je chante quand t'es au studio, mais je chante pas quand... Oui, mais j'aime bien chanter tout le temps. La princesse, elle a fini de manger? Elle a fini dans une minute. Ok. Dans une minute, et l'autre princesse? Elle veut pas me répondre. Notre princesse, il mange beaucoup plus, hein. Merci avec Izio. Ah, ouais, c'est vrai. Merci, mon frère. T'inquiète, je sais ça. Ça, je suis bien au courant. T'as dit quoi? C'est pas ça, c'est que nous, on est ponctuel. Il vous a pas dit 23h10, vous? Si, si. Voilà. Bah, il est 23h11, hein, vous êtes en retard d'une minute. Hein. Bah, normalement, on est censé venir à peine d'arriver, là. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, il faut être rapide, hein. Ouais, tu peux venir, j'ai une question, là. Ouais. Je t'inquiète, je tape ma lame. Vas-y, va chanter là-bas, s'il te plaît. Et t'as qu'à dire que je chante mal aussi. Vas-y, tu chantes mal. J'espère que t'as acheté mon CD d'ailleurs. Ouais, ouais, grave. Faut ouvrir à jus. Ah, c'est pas gentil ça. En bas? Ouais. Ouais, j'ai acheté le CD, t'inquiète. C'est vos histoires, je suis pas là pour. Je suis pas un homme. Mais chez moi, là, je l'ai mis dans un cadre et tout. C'est bon. Ah ouais? T'as dit comment sur la pochette? Sur le CD même, y a pas d'illustration. Et bah si. Sur le CD même, non.
Sur la pochette, oui, mais j'ai plus la pochette. Si, le CD aussi. Non. Ok, mais tu fais une chanteuse, chante. Ouais, je fais une chanson. Non. Pourquoi? Parce que faut acheter mes CD pour m'entendre chanter. Voilà. Si tu chantes bien, j'achète tes CD. T'achètes pas des CD d'une personne inconnue? Pourquoi t'achèterais des CD d'une personne inconnue? Bah... Déjà, faut avoir un petit extrait de comment tu chantes pour l'acheter. Bah oui. Parce que si maintenant on sait pas comment tu chantes, on va pas l'acheter. J'ai pas d'inspi là. Bah ouais. Non, ça c'est parce qu'à mon avis, elle est nulle sans vocodeur. Aussi. si, vas-y, bah, parce que... Bon, ça y est, là on est bientôt... Rise, faut y aller. 10. Bientôt. 9. Rise. Il se rendait compte là. Tic tac. Rise. Ouais, ils sont en train de manger. 5. 4. Même moi j'ai pas fini. 3. 2. Moi j'ai saccagé une moitié. 0,75. 0,5. 0,25. 0,10. Parfait. Ok, c'est bon. Ah, t'as terminé en même temps, hein, fils. Vous avez rush tous les deux ou c'est comment là? La vidéo, moi je l'ai tapé entier, bon. La moitié. Même moi j'ai vraiment rush, j'ai même pas apprécié à cause de votre histoire de drogue de merde là. Bon. Vas-y, viens, on prend un camion. Est-ce que tout le monde est prêt là? Tout le monde est prêt, bon. Tout le monde est ouais, chaud. Allez, viens, Bradley. Qui prend le rompo, qui prend pas le rompo? Mettez-vous dans les rompos, mettez-vous en préparation, les gars. Que super. Tu prends le rompo sur ta voiture? Moi je peux pas avoir la voiture, moi je parle. Vaut mieux pas faire l'inverse, moi je ouvre et toi tu conduis parce que t'auras plus de facilité à les semer en van. Alors que moi Vas-y. Vas-y, viens. Okay. Comprends lequel. Attendez, on va donner le go quand il y a tout le monde qui est prêt. Tout le monde est prêt, vous me dites quand tout le monde est prêt. Tout le monde est bon. C'est bon, j'en ai marre, tout le temps on doit attendre les gens là, soyez à l'heure un petit peu. Go, allez, go, c'est parti. Go. Passe devant, vas-y, allez-y. Bon, bombardez-vous, vous arrêtez pas, hein. Passe devant. Bah je vous suis, hein. Guidez-moi là. Moi il s'appelle Paolo. Vas-y, t'inquiète, je sais pas où passer. Paolo. Oui. Oui Paolo, t'es parti où? En bas, direction Barrio Vagos. Ok, pourquoi tu es passé par en bas? Rapide, on va passer par Vinewood et tout. Nous, t'as suivi le GPS après être passé par en bas? Ouais. Ok, super. On reste au téléphone. Vas-y. Normalement, je vais te rattraper. Parce que sur l'autoroute, il y a la Highway Patrol. La nouvelle police. Oui. Qui me suit? Ah. Ok, je crois que je te vois. Aïe! Aïe! C'est peut-être pas moi que tu suis, hein. Ah oui? Ouais. Là pour l'instant je continue à suivre le GPS. Vas-y. T'es vers où toi? Là je vais passer derrière le PDP bientôt. Ok, derrière le PDP bientôt, ok. Je bombarde. On a planté hier sur le toit, il me dit. Sandy Shore, vous avez planté sur un toit. Oui. C'est là. Ok. Là tu vas le prendre. Mais ça revient au même, tu prends l'autoroute du milieu là. Parce que nous au final on va pas couper par l'autoroute. Là je suis tué ou toi? Derrière le là je passe place des cubes dans 3 secondes. Ok, je suis à côté de la place des cubes. Parking central. Ok, je te vois. Ah oui, ok, d'accord. Mais non, viens, on passe par l'autoroute. Les voitures ouvrent et tout. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Bah oui, je pense que c'est le but. Bah attends, j'arrive. Vas-y, bah prends, j'arrive autoroute du coup. Oui, j'ouvre. Ok, je suis sur l'autoroute, t'inquiète, je fais genre que je ouvre pour un van qui est en face de moi. Et au final, je voulais pas pour lui. Comme ça, quand ils me verront, ils vont le poursuivre. Derrière vous. T'as dit quoi? Derrière vous. Pour l'instant, Araes. Je suis le GPS ou pas le GPS, il nous fait sortir. Sors à droite, oui. Si. Pourquoi je vais le baiser? Regarde bien. Oh là là, je suis trop intelligent. Tu as fait quoi? Ah, c'est toi à gauche là? Regarde derrière toi, c'est moi. Ok. Super.
devrait pas avoir commande ici. Pour l'instant, Ares. Le problème, c'est sur le retour, ils vont aller plus vite que nous. J'ai une meilleure voiture. Ouais. Quoi que le mon chili a dit prend feu. Eh, je vais plus vite que. Je vais plus vite qu'un Land Stalker. Jure ? Ouais. Mais t'es incroyable la voiture. Ou alors ils étaient pas à fond. Vraiment RAS hein. Je suis à 600 mètres là, RAS. Je suis à 900 mètres, je suis derrière toi ça veut dire. N'oublie pas de prendre les clés. J'ai déjà sur moi les clés. Super. C'est le cœur, je le vois. Mais j'ai plus vite que lui. Vite que l'onde stalker, moi. Je suis pas sûr de là où on doit les déposer. Moi aussi, hein. Là, à droite, à l'intérieur. Non, je crois pas que c'est dedans, c'était bien plus loin. Ils sont là. Faut les prendre les Pounder et partir, c'est ça? Faut prendre les Pounder? Non, 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 là, on revient. Tu remontes dans ma voiture et on repart, là, je crois. Tu prends quoi alors? Tu prends les clés. Tu prends les clés. J'ai les clés. J'ai les clés. Ok, super, viens. Viens devant. Oui, du Pounder. Enfin, du van. On peut en prendre qu'un? Faut pas le prendre là, faut pas le prendre, faut que tu remontes dans ma voiture. Ah, faut faire des allers-retours. Oui. Ok, vas-y go. Viens, Santi, viens. Faut faire des allers-retours juste. Attends, y'a Santi derrière nous. Bombarde. Mais les gars, fallait mettre des trucs dans le Pounder, non? T'es sûr? Moi, il me semble, il a juste dit, dépose. Et tu prends la clé. Posez, ok, on peut raccrocher. Si on a pas compris, on a pas compris. Y'avait rien dans les Pounder, y'avait rien dans le. Dans le en fait, je crois qu'il faut juste poser et garder les clés. Non Bah, je pensais qu'il nous avait dit de reprendre les Pounder avec et de les redéposer on là-bas. On peut pas le rappeler au pire. Parce qu'il a dit, ouais. Parce qu'il a dit, ouais, ne volez rien de ma marchandise. T'as vu ou pas? De toute façon, on s'en là, fout. Là, y'avait pas de marchandise. On s'en fout de celle arrivée avant ou pas. Le truc, c'est d'en ramener le plus. Ouais. Il fallait repartir avec le speedo, je pense. Bon, on verra bien de toute façon. Non, il a dit vous prenez les clés, vous prenez les clés, vous revenez. Oui, 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 mais il a dit aussi ouais, mettez les trucs dans le Pounder. Mais là, dans notre camion, il n'y avait rien. C'est ça que je comprends pas. Vas-y, de toute façon, on laisse ça là-bas et on repart. De toute façon, s'il n'y avait rien, il n'y avait rien, ouais. Tu veux qu'on y fasse. Ouais, on garde les clés, au moins on a posé le speedo là-bas et on pète pas les clés. Ça se trouve, c'était caché quelque part, tu vois. On dirait qu'on n'a pas trouvé, on perd pas de temps. Ouais, quand il arrive, c'est arrivé en temps et en heure. Oui, en vrai. Mais les autres, ils sont passés directement sur l'autoroute, tu vois. Mais ils ont pas le même. Ah, mais il y a un monde où, genre, ils ont pas le même endroit que nous. Si, si, je les ai vus. Oui, le long moi, il y avait une voiture il y avait une voiture qui nous attendait et un autre trucker sur la route. Ah. Ouais. Merci DLG mon frère. C'était peut-être une folie. On sait jamais. T'imagines? Moi je pars toujours du principe que Stéphane il travaille avec les. Non, c'est avant, putain. Le bois à droite. Ah, bah ils sont devant. Non, là, tu peux continuer. Alors. Ok, on a une autre voiture qui est arrivée en même temps que nous. Toi à gauche. Putain, j'ai limite envie de prendre deux rumpo, mais on peut pas. Non, faut qu'on fasse un par un. Ah, là, on peut pas. Ils sont devant nous? Ah ouais. Non. Ils sont derrière. Putain, j'ai bientôt plus d'essence. Aïe. Ouais, les autres, ils sont partis mettre l'essence et tout. Avant que ça commence. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok. Tu sais que tu peux limite passer avec le rumpo par ici? Et t'arrives à côté du Barrio Vagos? Je pense que c'est ce que je veux. C'est de l'Orancho. Mais ça sert à rien en vrai.
Je descends direct. Eh non, on a rien compris. Mmh. On fait des allers-retours. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est être le plus rapide. Oui, il n'y a pas besoin de décharger. Décharger la... Oui, oui, décharger, mais de toute façon, t'es déchargé la marchandise. Ouais, 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 oui, il y a des gens qui s'en occupent là-bas. Et il est rapide, lui, là. T'inquiète, chef. Attends, c'est moi qui te suis au début, vas-y. Toi, tu connais la route. Bah, passe à droite du gauche, pont. Passe à gauche, non, à droite du pont, regarde. Attention, parce que sur en plein milieu, il y a des trucs. J'arrive. On a une longueur d'avance sa grand-mère. Merci Kehaj. 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 Que Hadj. Unicorn n'a pas fait un gros. Oui, appelez tout droit à sa grand-mère, ouais. Ouais. Aïe. Je suis un bon mec, petite voiture. T'es un van, connard. Le but de la mission, il faut qu'on arrive à faire le plus d'aller-retour possible sans se faire arrêter. Et à la fin, on peut avoir un pétard. Il est sous. Oh, connasse. J'en ai marre de ces PNJ là qui mettent jamais leur clignotant. Merci Tony Kush. On fait du off-road. Ah c'est vous, putain, j'allais vous rentrer dedans. Elle avance plus la voiture. Elle est trop abîmée. Oh, c'est la merde. Attention devant, attention, on passe à droite et à gauche. Aïe. Mais non, mais non. Je l'ai pas touché, je l'ai touché. Non, c'est nous, il a tourné sur nous. Oh putain. Mais il est trop con. Merci Dan Stay. Merci mon frère. Ma voiture elle fume. Ah. Ok, allez-y, dès que je trouve une voiture, je change. Vas-y, vas-y. Mais il y a que des 4x4 ici. Bordel. Je pense que je trouverai pas mieux que ça. Hein. Oh, ok, tu sors pas d'armes. Oh. Aïe. C'est tout le temps ça? Ah bah tirez dessus. Cette sale connasse. Merci DLG. Oh. Aïe 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 aïe, pardon. Attention, il y a un cadavre devant. Madame, pardon, mort, tu descends. C'est pas la place du mort pour rien. Allez, on y retourne. Putain mais tu m'as enculé. Je suis désolé, je voulais faire un truc stylé. Ouais, mais le truc stylé, mon cul. Par contre, vous avez vu la lune, elle a bougé grave rapidement. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il faisait nuit. Oh, le soleil. Oh, attends, mais il fait grave jour. Regarde le soleil. Wouah.
Il va graviter. Javier, que ça te sur la route. Je me concentre. Arrête de regarder le soleil. Pardon. Mais il fait déjà nuit. Dans ce temps-là, je tape le deuxième burger. Mais attends, mais il va faire nuit là, genre. C'est un nickel. Mais c'est quoi ma zone, l'habit? Quelqu'un va dans ma zone à l'habit? L'habit, c'est le truc, c'est. Call center? Call center, ouais. Ok. Je pense. Pardon! Les pauvres, tu les as vus ou pas? Ouais, ouais. Ah, mais. Je sais pas s'ils ont tourné d'un coup sur nous ou si maintenant ils... toi tu les as poussés sans faire exprès. Toi, tu les as vus? Tu m'as vu les pousser? Moi, je t'ai pas vu les pousser. Moi, je les ai juste vus rentrer sur nous et ils sont tombés. Merci DLG. Aïe. Aïe, ma tête. Aïe, j'ai cassé ma tête. Ça fait trop mal, sérieux. Aïe. Putain, en plus, j'allais dire, on est presque à 200. Ça va, tu as rien de cassé. Là, c'est pas Ono qui devrait vraiment. Oh, il y avait une chibourek derrière. Tu l'as vu, la chibourek, toi aussi? Ouais, j'ai vu. Je pense que c'était une chibourek ou une Glendale. Une Glendale. Ah, c'est une Glendale? Chibourek, c'est tout petit, ouais. Ouais, c'est une Glendale. Salut, mon père, comment il a fait pour trouver une chibourek? Bah, il l'a acheté, je pense. Ouais, mais comment il s'est dit, je vais conduire une chibourek? J'ai créé quelque chose de très mauvais avec cette chibourek. Toi, tu as créé? Pourquoi c'est? Parce que tu l'as mis, mais après, moi, j'ai trouvé des endroits où il n'y a que la chibourek qui peut passer. Ah! Et ça, c'est pas bien. C'est devenu méta. La ici, bah oui. La ici aussi, elle est bien. Ouais, la easy, elle passe aussi. Il y a que deux voitures. Oh, pour le moment, on est à deux, hein. Ouais. Bientôt trois. Ok. Et on n'avait pas un Rokoto d'ailleurs? Un Rokoto? Si, on avait un Rokoto. Et il est où? Je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est passé. Même la Sultane, je sais pas oh, où. Oh, le Rototo. En fait, à chaque fois, vous croyez trop, c'est des voitures volées et du coup, vous les laissez traîner partout par terre. Merci à Lyonnais. Non, moi je les ramène toujours au barrio, juste. Déjà, ils les prennent. Toi, tu es un bon, toi. Toi, tu es pas comme les autres. C'est quoi, on va virer tout le monde des Vagos. On va virer tout le monde. On n'est pas les Vagos déjà. Hier, NVL. Hier, on a fait la misère à Rafi, il a pété un câble. Arrête. Ah, tout va. Ouais. Mais tu sais que par la suite, il m'a dit, ouais, je vous ai entendu. Expulser, ouais, si maintenant il continue comme ça, expulser tout ça. Il m'a dit, ouais, j'ai écouté à travers les murs. Tu lui as répondu quoi? Il m'a dit, ah ouais, t'as fait comment? Il m'a dit, j'ai écouté. Salut Esteban qui est plus là. Allez, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde. C'est nous les premiers pour l'instant? Pour l'instant, ouais, parce que. C'est notre troisième, ça. Vous avez votre troisième, mais le seul truc, c'est que le dernier là, moi je vous dis. Bombarde. Pétez-les sur le retour. Pourquoi? Parce que là, en fait, ça va faire 3-3. On va arriver avant eux. Pas besoin de péter ça. Je suis dans le world. Oui, t'inquiète. Ils veulent connaître mes comptes bancaires et ma fumeux. Je les aurais fumés, si je fumais pas la bugueux. Prédéter, 500 eux, on l'envoie en mission. Y'a les condés dès le matin, nos noms de famille sont dans la commission. Et je m'endormirai dehors, de tripler ça, faut que j'entre à la maison. Banks. Je crois bien que c'est moi qui avais raison. Je bombarde, merde. Aïe, ça va, je vais bien. Aïe, ça va? Tu vas bien? Oh, t'inquiète. Pas sûr, ça va là. Putain de merde, tu as frappé, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À droite. Il t'est arrivé quoi normalement? Ça t'arrive jamais à toi. Regarde la gueule de ta voiture. Oui, normalement, ça m'arrive à moi, pas à toi, ça. Mais arrête, c'est non, tout mais droit. Mais il veut nous péter, Allô, Javier. Oui. Ouais,
oublie le Lionel pour ce soir et on verra ça demain. Pourquoi ? Introuvable, hein ? Introuvable ! Oui, non mais introuvable et... C'est tombé, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire ? J'ai vu ses copains 2-3 fois dans la soirée, là. Oui ? Laisse tomber. Ah oui ? Pour ce soir, demain on le récupérera. D'accord, ça marche. Bah, bon, Javier, bon courage, bon courage, au revoir. Il le sait. Merci d'Enstay. Merci mon frère. Tu m'as dit quoi ? Tu veux pas attendre l'autre camion ? On les attend là-bas au pire ? Je sais pas. Hein. On les attend là-bas, je crève un pneu de notre voiture. Vas-y. Non, c'est de la merde. On va gagner à la loyale, hermano. Tourne à gauche. Merci beaucoup d'Enstay. Aïe ! S'il te plaît, por favor, madame, descendard, sors pas de pétard. Oh, je te braque. Je te braque, oui. Tu es folle ou quoi, grosse folle? Putain, genre, ils aiment trop nous fier sur flashback, frère. Je la braque, elle sort une arme. C'est terrible! Du coup, on va faire un contrôle, s'il vous plaît. Merci. Sécurité? Ah, je suis armé! Parfait. Oh putain. Dans quelle merde je me suis mise? Attends, je vais faire un accident. Allô. Oui, c'est bon. Ils t'ont lâché ou pas? Je sais pas. Vas-y, parle, fonce. Non, le flic à moto, il a dit, garde le rompo. Ah oui. Et du coup là. T'as un pétard aussi, donc à tout moment, t'inquiète. Bah vas-y, hermano, faut pas perdre de temps. Trouve une solution. Vas-y, t'inquiète, je vais te trouver. Bon courage. Aïe. Aïe. Face à moi, je vous fais une demande de backup. Aïe, bordel, mon tête. Putain. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Bah oui, connard. Ah, fais chier. Ça vous donne renfort à ce niveau-là, s'il vous plaît. J'ai trop mal à la tête. Ah, puis je vous attends. Non, il a actuellement fait un 10-50, il est juste devant moi, j'appelle juste des EMS autrement. T'as toujours le rompo avec toi ? Allez monsieur, on va commencer par descendre du véhicule s'il vous plaît. Oui. Aïe. Parfait, je vais juste vous palper pour récupérer votre arme. Je suis tombé. Vous restez avec nous. Parfait. On s'occupe du truc du coup. Monsieur, je vais enlever votre masque directement. Pourquoi tu me fous? Le Glock, les balles et ma clé. Quel Glock, les balles et ta clé? Comment ça, le Glock, les balles et la clé? Tu te rappelles plus? Si, y a des gants qui me l'ont volé. Ah ouais, du coup, on fait comment? Je sais pas, hermano. T'as vu que c'est l'arme de service 66 quand même. T'as dit quoi? C'est l'arme de service de 66. Et alors, c'est qui 66? Bah, si tu veux que cette histoire soit oubliée, ben, il nous faut le Glock quoi. Hermano, y a... On peut pas perdre un Glock comme ça. Je te dis qu'on me l'a volé moi-même. Bah tu vas te débrouiller, tu vas le retrouver. Je pense que t'en es capable, non? Oui. Très bien. Et les clés de notre voiture? Ah, je te mords la gorge. Ok, je te relâche. Oulou, tu saignes.
Oh là là, tu saignes beaucoup. Ta gueule, connard. Et bordel, elles sont où tes clés? Elles sont où y'a tes clés? Y'a pas de clés. Ah non, ma voiture. Ma voiture, non. Ta gueule, connard. Déverrouille. Déverrouille ou je tue. Attends. Fais pas de geste brusque avec ton arme. Mais je peux pas déverrouiller. Démarre là. C'est une place. Aïe. 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 Reste au sol. Aïe. Reste au sol. Mais tu es con ou quoi, connard? Tu veux que je te tue? Aïe. Wouhou. Oh, faut le niquer lui. J'en ai marre, on est ravagé. Allô. Vas-y, monte, on laisse, ouais. C'est bon? C'est bon ou pas? Collègue, bah, j'étais obligé de le braquer, hein. T'as braqué? Moi aussi, j'ai braqué. Il a mon visage. Moi aussi, ils ont notre visage. Oh, c'est la merde. J'ai volé sa moto de police. Ah, non, moi j'ai volé un truc. On se rejoint au port? On se rejoint au port, super, super. Oh là là, mais donc, tu sais qu'il y a 1000 voitures là. Oh putain, la merde. Allez, on va y arriver. Ok, attendez, faut que je me focus parce qu'en moto. Vous savez que la moto c'est pas mon fort. Oh non, je suis en train de repenser au mot, je lui dis ah, je te mords la gorge. Là c'est trop drôle, ça, ce genre de RP ça m'encule de rire. Mais non mais les gars, y a eu des boss en même temps. Ah oui putain, c'est vrai qu'il y a des balises dans la moto. Y a des boss en même temps, comment je peux faire? C'était pas voulu. Attends, personne me suit. Ça a pris une boss, ça s'est retourné. Ok, comme si c'était IRL. On va voir si j'avais IRL, je survivrais à avoir une bécane. Interfile. Me débrouille, hein. Interfile à 180, ouais, non, vous ne le faites pas, hein. Elles sont bien leurs motos, hein. Oh. Ça fait peur, hein. Ça, la première personne en bécane, elle fait vraiment peur, hein. J'aurais trop peur hier, je crois. Hop, on penche bien. Super. Oh. On penche. Oh. Non, ça fait trop peur la bécane.
je me débrouille hein. Vous avez attends, regarde, toi. Allez, y'a plus de rompo là. Non, y'a 3-3. Attends deux secondes, on a gagné l'histoire. Vas-y. On a gagné. J'ai braqué 3 voitures moi aussi. Attends, reste là. Hop là. Hop, va dans l'eau, voilà. Prends avec. T'as fait quoi au plat? Mais il a mis un C4, ta non, mère. Non, y'a pas de C4. Oui, y'a un C4 là sur ta moto. Ah oui? Attends, mais moi je n'entends pas vous biper là. Tu restes là. Je reste là. T'as ramené les flics sur position? Ferme ta gueule toi derrière. Arrête, tu vas me tuer. Non, j'ai ramené les flics sur position. Quelle position? Ben, on vient de me dire qu'il y a tout qui a cramé, je te vois revenir avec une voiture de flics. Non, ils étaient au niveau du terrain de cross. Non, ils étaient au niveau de la Fuente Blanca. Parce que là, les deux autres groupes me disent que c'est vous qui avez foutu la merde. Oui, d'accord, ils sont jaloux pour qu'on a gagné. Nous, on s'est fait arrêter au niveau de la... Descendre là, va me jeter. Attends, je vais cacher là. Par contre, Javier, t'as vu qu'il y a un porte-conteneur qui est rentré dans son Honduras? Ouais, j'ai fait péter la moto, au moins on n'a pas de galère. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Dites-moi s'il vous plaît. En gros, ils ont fait un barrage, ils se sont fait arrêter au niveau de la Fuente Blanca. Du coup, moi j'ai tiré pour atterrir sur moi, il y a une moto qui m'a suivi. J'ai tiré en l'air. Après, il y a un Poyos qui m'a poursuivi, j'ai fait un accident de voiture. J'ai récupéré mes forces pendant à peu près. Attends, j'ai pas fini. J'ai récupéré mes forces pendant à peu près une ou deux minutes. Tu m'entends? Ouais, mais attends deux secondes, j'ai les flics là en face de moi. Oui, merde. Après, le Poyos, il était tout seul en face de moi, je lui ai croqué la gorge. J'ai pris les clés de sa moto et je suis parti. Par contre, c'est vrai. Attends, mais les flics, ils ont nos visages. Hein. Ils ont vu ma tête, oui. Ah bon? Moi aussi. Attends, vite fait, hop, voilà, maintenant ils savent plus qui je suis. On fait quoi, chef? Ils savent plus qui je suis non plus. Attendez, deux secondes. On a plus de voiture, on a plus de moto. Ouais, ben on va devoir improviser. On a une voiture. Regarde là. Après, je peux tenter avec ça. Tu vois quoi, tu vas le rentrer dedans. Tenez, prenez des armes sur moi. Hein. D'accord. Prenez des armes, prenez juste les deux Beretta là. Rends-moi les. Il y en a 4 là qui sont partis. Juste 2 Beretta. Il y en a 2. Attends, il y a 2 Beretta sur le bois. 2 Beretta sur le bois là, prenez. Vas-y, on va. Braquez-moi. Moi j'ai un pétoir, moi. Braquez-moi. Mettez vos masques, braquez-moi et demandez à vous barrer. D'accord, prends-lui des balles aussi. J'ai encore un Beretta sur le bois. C'est bon? Oh merde, j'ai plus de masque. Attends, mais il a pas de balles. J'ai plus Comment de masque. Bah oui, Comment je l'ai. Ça, t'as pas de masque, sale merde. Je l'ai laissé à la prison. Putain, et prends mon t-shirt, fais-toi un masque avec. Avec ton t-shirt? Ouais, fais-toi un masque avec. D'accord. Putain. Ah, mais peut-être qu'ils sont pas là. Ah oui. Ah oui, ils sont pas là, t'inquiète. Ah merde. Ils sont pas le bloqués derrière. Okay. Non. Tu peux faire vite, s'il te plaît? Je fais au plus vite. Putain, mais d'abord. Parfait, ouais, bon, ça marche bien. Bien joué, Nock. Bon, ben, négocier votre sortie, par contre, va falloir vraiment que vous barrez bien, hein, parce que là, vous êtes équipé sur 20. Ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est notre récompense, les pétards qu'on a, que t'avais sur toi. Oui, voilà, c'est ça. Même si vous avez rien réussi, que je viens de me faire niquer toute ma cargaison, sa mère. Ok, attends, je vais manger les balles. Va négocier, va faire genre négocier. Ouais. Attends, je vais tenter un truc. Et avance, connard. Vas-y, partez. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui ces gens? Je sais pas. Ça va le pater? Ah putain, ça va, mal de tête. Impossible de me réveiller, j'ai la tête tournée de fou. C'est toi, Javier? C'est toi qu'on a parlé juste avant que ça arrive. Oui, c'est vrai, en fait, c'est ça qui me le doute. C'est que juste avant, j'ai dit, je vais tout brûler. Fais-nous confiance, Javier. Tu sais ce qu'on fait, non? Mon père aussi, il a fait confiance au biker. Et il est mort. Il est mort comment, ton père? Mort assassiné par des Poyos.